Ça y est, terminé. Mon chef-d'œuvre est opérationnel. La cote de popularité de Mandy va monter en flèche. Je vais prendre Introduction au journalisme, les fondamentaux journalistiques et techniques d'investigation. Ça correspond à mon côté, je veux tout savoir. Excellent choix, Sam. À moi, qu'est-ce que je vais choisir comme option? Bah, tout dépend. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? J'aimerais devenir vétérinaire ou psychologue pour animaux. Ou un petit poney. Oh, j'ai une super nouvelle. Oh, c'est trop bien, quelle idée de génie. On va suivre les cours de stylisme. Je viens de nous y inscrire toutes les trois. Je suis géniale, j'en reviens pas moi-même. C'est ton truc le dessin de mode, Clover. C'est pas le nôtre, hein. Faites-moi confiance, ça va être passionnant. Et on pourra passer plus de temps ensemble. On va s'éclater. Allez, venez, on s'embrasse. Mettez-vous à l'abri, je vous aplatis. Place au convoi, les bécasses, on dégage. Tu te prends pour qui, Mandy? Depuis quand on a des ordres à recevoir de toi? Depuis que j'ai officiellement choisi de suivre le cours Être célèbre pour être célèbre, je serai bientôt la personnalité la plus importante de la planète. J'ai pris un stagiaire qui fait le maximum pour m'assurer la meilleure promotion sur tous les supports de communication. Je vais faire le buzz de l'année, hein, c'est vrai, Trent? Oui, bien sûr, tout ce que tu dis est vrai, Mandy. Bonne réponse, je te garde. Bougez, les bécasses, je passe. Ils ont bien respecté les normes antisismiques quand ils ont construit la maison des étudiants. C'est pas un tremblement de terre, je crois plutôt qu'il y a un whooping dans l'air. Maintenant qu'on est débarrassé de ces bécasses, dis-moi ce que tu as fait pour que je devienne riche et célèbre sans lever le petit doigt. Eh bien, pour commencer, j'ai mis à jour ton site internet. C'est nul! Ces photos ne sont plus d'actualité! Mais enfin, elle date d'il y a 3 jours! Eh bien, désolé, mais en tant que stagiaire, j'ai pas de budget. C'est lamentable! Quel scandale! Ça va nuire à mon image! Je veux du grandiose, du créatif, je veux du jamais vu! Si vous n'avez pas peur d'être ébloui, pour accéder au Mandybook, cliquez ici. Oh, super! C'est un réseau social exclusivement sur moi! Ça doit être l'œuvre d'un de mes nombreux et fervents admirateurs. Ouais, si tu le dis. Allez, plein gaz, roule! Tu n'es pas au bout de tes surprises. Ce Mandybook va t'amener bien au-delà de tes rêves les plus fous. Jerry? Vous êtes là? Je vois personne. Patience, mademoiselle. J'expérimente le prototype du chic CHIC pour compresseur d'hélium à inhalateur combiné. Il permet à son utilisateur de voler comme un ballon. L'inconvénient, c'est cet effet secondaire. Il me fait planer comme un aigle, mais il me donne une voix de canard. Comme vous pouvez en juger d'après ma tenue, je rentre de vacances. Très sympa, les îles. Venons-en à la raison de votre présence. Les détecteurs de Whoop ont capté un signal étrange émis quelque part sur votre campus. Et c'était quel genre de signal? Nous ne savons pas exactement, mais il est composé d'ondes cérébrales très difficiles à identifier. Vous devrez enquêter sur leur nature et leur provenance. Qu'est-ce qu'on attend? On s'équipe et on fonce! Envoyez les gadgets! Eh bien, les voici. Tout d'abord, le nouveau compoudrier avec identification ADN. C'est une version main libre, ce qui lui permet de flotter à vos côtés. S'il arrivait qu'un gangster vous ait ligoté, il vous donne accès à de nombreuses sources d'informations et est pourvu d'un micro-détecteur de peau brillante. C'est par exemple pour nous signaler qu'un méchant plein de tentacules gluants approche? Non, pour vous signaler quand vous vous serez trop agité en cours de mission. Afin de vous éviter le désagrément d'avoir le visage qui brille, le compoudrier vous bipera lorsqu'il vous faudra procéder à une légère retouche de maquillage. Ensuite, nous avons le bracelet hypertenseur. Il rétrécit quand il capte les fréquences inhabituelles. Le Whoop Booster, l'actuel fer de lance en matière de transport individuel. Et enfin, les boucles d'oreilles Brasero. Aïe! Super stylé, Jerry, mais aussi super chaude. Plus que vous ne pouvez en juger. Quand on les lance, elles produisent une chaleur qui réduit en cendres tout ce qu'elles touchent. Génial! C'est comme vous voulez, Jerry. Vous pouvez prendre congé. Bonne chance, mesdemoiselles. J'adore. Je les trouve trop cool, ces deux roues. T'adores ces engins ridicules.
garçon, vous voyez sur cette trottinette immonde. Aïe. Et comme si ça suffisait pas d'être ridicule, en plus je souffre. J'ai l'impression d'avoir le poignet dans un étau. À mon avis, le gadget te sert parce qu'il capte une fréquence bizarre. En tout cas, le nom de bracelet hypotenseur qu'on lui a donné n'est pas adapté. Il faut l'appeler bracelet hyperbroyeur. Venez les Spies, je pense qu'on a atteint notre destination. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe le long du mur jusqu'au toit? Oh, s'il te plaît, l'escalade, ça commence à dater comme technique. Oh. Bien vu, Alex. Le mieux, c'est qu'on s'introduise par la cheminée. Faut espérer qu'elle soit bien ramonée, nos combines sont pas anti-poussière. Waouh, il y a beaucoup de gadgets et d'équipements high-tech ici. Et beaucoup de laisser-aller aussi. Mais il y a quand même des choses ordinaires. Cette brosse à dents est tout à fait banale. Je suis Bacterinator. Pour un brossage de dents, appuyez sur 1. Pour une détection de mauvaise haleine, appuyez sur 2. D'accord. Bah, je parie qu'il y a même un dépisteur de caries. Le bracelet hypertenseur capte de nouveau le signal. Aïe, aïe. Il semble provenir de cet ordinateur. Bien, mission de reconnaissance. Ah, mes oreilles. Bravo pour la discrétion. Les filles, je crois qu'il y a plus embêtant que le problème de l'alarme. Oh non. C'est quoi? J'ai vu une maison aussi peu hospitalière. Bonjour la cagnotte. Avouez que c'est quand même étrange comme mission. Une maison menaçante truffée d'engins agressifs qui nous pourchassent, c'est bizarre. Prête à faire votre rapport? Vous tombez pile au bon moment. Pouvez-vous demander au Whoop d'analyser cette incroyable brosse à dents, Jerry? Oui, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Votre cours de stylisme commence dans 5 minutes, en classe. C'est quoi cette éducation? Ne dis même pas merci. Et c'est parti pour un changement de tenue éclair. Pour aller à notre cours de stylisme, on a intérêt à soigner notre look. Et voilà. Parfaite dans le moindre détail. Alex, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Comment résister? Dites-moi, vous n'avez rien remarqué, les filles? Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que nos vêtements et nos accessoires sont parfaitement assortis. C'est ça le talent, Sam. Non, c'est que tous les étudiants qui sont sur le campus sont absorbés par leurs ordinateurs, tablettes et leurs smartphones. Ma quelle brute! Et voilà, j'ai tout renversé. Oh mince, la tâche! Écoutez, venez. T'as vu le message qui dit qu'elle a fait don de ses vieux skis nautiques à une fondation pour la lutte contre la sécheresse dans le désert de Moab? Oh oui, tu te rends compte, elle est très généreuse, cette fille. Je suis trop contente que le Mandy Book existe. Comme ça, on peut suivre au jour le jour tout ce qu'elle fait de génial. Mandy Book? Mon nouveau site web qui m'est entièrement dédié, le Mandy Book, est un succès. Je fais fureur, sachez que j'ai déjà plus de 100 000 personnes qui me suivent. Trent, tu te dépêches de m'organiser une fête pour célébrer ça. Pourquoi vous n'avez pas encore adhéré, toutes les trois? Oh oui, je sais, parce que vous êtes toujours à la traîne, les bécasses. Il faut savoir être à la page internet. Bon, allez, on roule, Trent. Ça va faire chuter ma cote de popularité si on me voit parler avec ces nuls. Mandy est réellement devenue une célébrité. Et dire que je pensais que les étudiants de Maliou avaient du goût. Venez, on est en retard à notre cours.
À présent que je l'ai propulsé au sommet, je vais regarder Mandy tomber en chute libre. Dai, dai, à petit point, les ourlets, par pitié. Travaillez, que diable! La mode ne s'invente pas toute seule. Plus de sueur, plus de larmes. Ah, moche, moins de lycra. Alors, les filles, j'ai pas eu une super idée. Je suis trop contente de suivre ce cours avec vous. C'est génial. Non, je ne le sens pas. Repartez à zéro. Sam, revoyez tout votre concept. Sinon, je le pressens, ce sera une horreur. Quoi? Comment ça, une horreur? Mais moi, c'est Clover. Bon travail, Alex. Le démodé, ça fait très mode. J'adore. Ça, c'est tendance. Bellissima, cette manche tachée, Clover. Le message est audacieux et fronté. Votre originalité fera de vous un grand nom de la création. Arrivederci, c'en est assez pour aujourd'hui. Je vous revois demain. Ciao, ciao. Le professeur Plunkett a une dent contre moi. Il me déteste, il retient pas mon prénom. Non, il a rien contre toi, Sam. Je veux dire Clover. J'espère que c'est vrai. En tout cas, heureusement qu'on est amis pour la vie. Dites donc, vous avez lu le dernier message posté sur le Mandibook? Elle a décidé de nous faire payer ses autographes. Et elle n'accepte de nous serrer la main que si elle porte des gants haute couture. Ouah, les fans de Mandy ont l'air très en colère après elle, ça se gâte. Le mot est faible, Alex. C'est pas de la colère, c'est de la rage. Mais c'est formidable! Maintenant que le site internet Mandibook dégénère, je m'abonne à sa page pour en voir le contenu. Monstrueux! Au secours, regardez, c'est une tragédie! Oui. Non! Me voilà, mes fans! La reine de la popularité vous honore de sa présence! Attention, ne laissez pas s'échapper! Mais quoi? On se détend, n'approchez pas! Moi, je suis une icône, je mérite le respect! Laissez-moi, mon petit malheur! Déchaîné! Bizarre quand même qu'il réagisse si violemment. On ferait mieux d'intervenir avant que la foule la réduise en bouillie de carottes. C'est parti! Ce bracelet va transformer ma main en raquette de tennis. Parce que je peux vous l'affirmer, il capte à nouveau ce signal. Pourquoi les meilleurs endroits pour se cacher sont aussi les plus dégoûtants? Toi! Ça, j'aurais dû deviner que c'était vous qui aviez manigancé tout ça! C'est vous qui avez poussé mes fans à se révolter, vous et vos... vos horribles combinaisons! Mandy, mais nous, on n'a rien à voir dans cette histoire! Oh, c'est Jerry! Tu veux bien nous excuser une minute? Bon, je viens d'avoir les résultats de l'analyse ADN de la brosse à dents. Elle appartient à un certain Telly Hardwire. Bonne chance! Telly Hardwire? C'était pas le président du club d'informatique du lycée de Beverly Hills? Mandy, ça te dit quelque chose, Telly Hardwire? Telly quoi? Tu te souviendrais probablement de mon nom si tu avais daigné accepter ma demande d'amis quand on était encore au lycée. Telly? Oui, c'est moi. Et si je suis là, c'est pour anéantir Mandy. Je veux me venger parce qu'elle m'a méprisé et la punir de se croire supérieure aux autres. T'as pas peur du ridicule? Non mais regarde-toi, tu fais pitié. Les gens comme toi oublient que c'est grâce à des génies de l'informatique comme moi qu'on doit la création des réseaux sociaux. Et ça change quoi? Bon, allez, dégage, arrête de me parler. T'as raison, parler ne sert à rien. Quoi que tu fasses, ça m'est égal. Tu n'es rien qu'un petit incident de parcours négligeable sur ma route vers la gloire. Oh, les revoilà. Et apparemment, ils vont pas prendre ta défense, Mandy. J'ai intégré une fréquence onde cérébrale au Mandibook. Elle me permet de contrôler le cerveau de tes fans. Et c'est avec ce signal que je les ai rendus accro à ton réseau. Et c'est là que je les pousse à vouloir te détruire. Comme à l'évidence, ça fonctionne très bien. Après t'avoir éliminé, je m'en prendrai à tous ceux qui, comme toi, ont rejeté mes demandes d'amis. Et je transformerai leur vie en cauchemar. Ce garçon n'est pas bien dans sa tête. Clover, tu leur fais barrage. Alex, on doit mettre Mandy à l'abri. Allez-y, pensez, attrapez-la. Clover! Regarde ses yeux, la fréquence de Telly agit aussi sur elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'issue. C'est parti pour le chic.
pas terminé. Trent, oh, tu tombes à pic. Il y a une bande de cinglés qui... Elle est là, venez vite. T'es qu'un traître. Je veux plus te voir, t'es viré. Viens là, viens. Mandy, en voiture, dépêche-toi. Attention. Désolée pour la conduite, c'est pas total confort, mais tout est sous contrôle. Arrête-toi et livre-nous, Mandy. Dirige-toi vers la maison d'où la fréquence est émise, Alex. Bah, je vais essayer, mais faut pas rêver, hein. Je t'aimerais pas, Clover. Le mieux est de passer en mode chic. Par ton insolente vanité. Et si je l'accepte maintenant, ta demande d'amis, tu retiendras ces fous furieux. J'ai compris ce nom. Vite, Alex, il faut détruire de toute urgence l'émetteur du signal. Je vais le réduire en miettes. Oh, maîtrisez-la avant qu'elle endommage l'émetteur. Sinon, plus de Mandibook. Tous après elle. Boucle d'oreille bras zéro devrait pouvoir m'aider. Oh non, t'es encore là, toi. Alex, c'est pas pour te mettre la pression, mais il faut détruire l'émetteur, vite. Je sais, mais il y a ce chien de garde là. Oh. Que tu voudras, Mandy. Oh. Oh ah ah ah. Où tu vas comme ça, Telly? Rêve pas, t'as rendez-vous avec la prison du Wook. Je te préviens, lâche-moi tout de suite ou je saccage ta popularité. Je peux te réduire à néant. Je prends le relais, les Spice. Excellent travail. Jerry, il me semble qu'il faudrait effacer tout ce qui s'est passé aujourd'hui de la mémoire de quelqu'un. Je suis célèbre. J'ai un stock d'amis de 100 000 personnes. Eh ben, estime-toi heureux s'il te reste un ou deux amis en stock. Eh bien, les filles, ça aurait été du sport. Franchement, ce semestre commence fort. Ah oui. J'espère qu'on en aura plein d'autres, des missions aussi géniales. Je suis contente que tout se soit passé pour le mieux. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le professeur Plunkett n'adhère pas à mon sens de l'esthétique. Oh. Ah, mais que belle.
Oh, c'est sauvage, féroce. Combien de filles oseraient porter une combinaison déchiquetée, calcinée et cette coiffure nid d'oiseau? Ça va monter bouriffé. J'adore, bellissima. Ciao, Alex. Oh, c'est merveilleux. Je sens que ça va vraiment être une super année. S'il arrive à m'appeler par mon prénom. J'étudie seulement le lobe de ton oreille. Et depuis quand tu te passionnes pour les lobes d'oreilles? C'est que ma mère va me rendre visite aujourd'hui. Je dois être préparée. Être préparée à quoi exactement? C'est une grande chirurgienne spécialisée dans le remodelage des lobes d'oreilles. Elle aimerait beaucoup que je suive son exemple. Si elle apprend que j'ai préféré la mode à la médecine, je vais me faire griller les oreilles. Alors, je ferai tout pour la convaincre que j'étudie les points de suture et non les points de couture. Histoire du lobe d'oreille, tome 1, mais quel pavé! Non, sérieux, t'es pas en train de lire ça? Si, je sais! Clover! Surprise! Maman! Tu es déjà là? Eh oui! Ma lobectomie de ce matin m'a pris moins de temps que prévu. Je me réjouis d'avoir encore plus de temps à passer avec ma petite fille chérie étudiante en médecine et avec ses meilleurs amis, cela va de soi. Oh, j'aurais adoré rester ici avec vous, mais c'est mon premier jour de travail bénévole au laboratoire des félins. Je peux pas être en retard. Et moi, j'ai prévu de faire du sport, alors à plus tard. Voilà. C'est ici le laboratoire où ont lieu les études vétérinaires. Oh, je sens déjà mon cœur fondre pour tous ces petits chats. C'est génial! J'aurais pas pu rêver mieux comme travail bénévole! Vous devez être Alex. Je me présente, je suis le professeur Féline Dion. Vous semblez vous intéresser autant que moi aux chats, c'est appréciable. M'y intéresser? Mais je les adore! Je les trouve tellement craquants! Ceci dit, vos bottes en fausse fourrure sont craquantes aussi. Merci beaucoup. Oui, je suis très sensible à votre enthousiasme pour les félins. Pour autant que je puisse en juger, les chats sont les créatures les plus merveilleuses et les plus intelligentes de la planète. Si seulement les humains pouvaient leur ressembler davantage. Oui, c'est vrai, bah, ils sont trop mignons ces petits choux. Et je vous assure que je m'en occuperai avec le plus grand soin. Je vous fais confiance. Maintenant, voulez-vous m'excuser? Je dois vous laisser. J'ai quelques courses à faire. À tout à l'heure. Bon, eh ben allez, hein, puisqu'elle me les a confiés, va falloir assurer. Alors par quoi je commence? Je vous pomponne, je vous nourris, je nettoie vos cages. Vous pourriez éviter de répondre tous en même temps. Non mais je comprends pas encore le langage miaou. Aidez-moi au secours. Bon alors chérie, parle-moi un peu de tes cours. Tout se passe bien? Bah oui, tout se passe très bien. Enfin, les études de médecine, c'est... C'est vraiment très médical. Ah, attends, je vais préparer un café. Tu dois en avoir besoin après une intervention chirurgicale aussi matinale. J'en ai pour une seconde. Hein. Clover? Clover? Ah, oui, c'est tombé à pic, ça m'a sauvé. Merci, le Whoop. Vous pouvez ouvrir. Oh,
Bonjour, mademoiselle, désirez-vous un rafraîchissement? Jerry! Oui, en chair et en os, parfaite imitation, n'est-ce pas? Je me rends au congrès annuel du Whoop consacré au camouflage et déguisement, ce qui m'amuse énormément. Nous aussi, ça nous amuse énormément. Ça vous change un homme, une jupe. Oh, pardon. C'est pour un défilé de mode qu'on est là? Absolument pas. Plusieurs événements similaires et étranges se sont produits. À commencer par le célèbre sphinx de Gizeh qui a été restauré de façon particulière. Tout comme le mont Rochemore, où les portraits des présidents ont été remplacés par des têtes de chat. De même, la tour de Pise a pris une apparence pour le moins bizarre. Comment ça, bizarre? Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Maintenant, voici vos gadgets. Aujourd'hui, vous avez les bottes tremplin hyperboliques, le gel capillaire solidifère, la tornade polaire mantelée et l'ombre à paupières caméléon. Oh, j'adore le style! Joli et pratique aussi. Quand vous l'appliquez, non seulement c'est extrêmement flatteur, mais celle qui l'utilise peut se fondre totalement dans le décor, quel qu'il soit. Merci, Jerry. C'est un plaisir. Bon, bonne journée, mesdemoiselles. Jerry a dit que c'était pour le moins bizarre et n'exagérait pas. La tour est recouverte de tapis. C'est comme un immense arbre à chat pour se faire les griffes. Allons voir de plus près à quoi ça ressemble. En fait, moi je m'attarderais bien un peu ici. Regardez, la vue est superbe. Pas mal. Qui sait dire mignon en italien? Moi, je sais dire ciao. Comment on fait quand un garde de sécurité nous interdit l'accès à la tour? On utilise le fard à paupières caméléon. Vous venez, les Spies? Oui, on arrive. Bon, rappelle-moi ce qu'on cherche exactement. Eh ben, on n'en sait rien, tout ce qui peut ressembler à un indice. Aïe, je me suis fait piquer. Pourtant, ils ont l'air doux, ces tapis. Ça n'a rien à voir avec les tapis, Alex. C'est cette drôle de griffe qui t'a fait mal. Je me demande d'où elle provient. On va l'analyser en vitesse. Hey. Là, on est mal. Je crois qu'on ferait mieux de s'enfuir, hein, les filles. Stop, arrêtez-vous. Ramenez! Aux entraînements du Whoop. Bon, alors, prête à rentrer à la maison? C'est avec regret que je dis au revoir à l'Italie. Mais je dois retourner auprès de ma maman. Très bien, bah pendant que tu seras avec elle et que Sam sera en cours, je me charge d'analyser l'indice qu'on a trouvé. Professeur Dion, vous êtes là? Parfait, bah, puisque la voie est libre, profitons-en pour identifier cet étrange indice. Incroyable! Cette griffe contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de chat. Je savais pas que ça pouvait exister. Faut que je prévienne Sam et Clover. Qui sont Sam et Clover? Et qu'avez-vous à leur dire? Oh, professeur Dion! Sam et Clover sont mes amis et il faut que je leur dise immédiatement que, aujourd'hui je travaille au labo, on pourra pas aller réviser nos devoirs ensemble. Et si je peux me permettre, je crois que vous avez un petit quelque chose sur le visage. Oh, non, ce n'est rien. Tout bien réfléchi, là, votre présence ne m'est pas utile. Je vous libère pour la journée. D'accord, et ben à la prochaine fois. Oui, je compte sur toi. Le monde sera encore plus parfait quand tu reviendras. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Allô?
Les copines, là, il y a une méga urgence. Des poissons mutants prennent encore d'assaut le yacht du Whoop? Non, pire que ça. Ma mère veut qu'on aille dîner tôt ce soir dans Beverly Hills. Non, mais vous imaginez. Bah, je vois pas en quoi c'est un drame. C'est horrible. Elle va me questionner sur mes cours de médecine, au secours. Si vous êtes là, ça pourra faire diversion. J'ai besoin de vous. Oh, bah d'accord, on viendra. Mais t'en fais pas, on sera là. Oh, merci, mes super amis. Alex, t'as du nouveau à propos de notre indice? Oui, et ben selon l'ordi du labo, dans cette griffe, il y a un mélange d'ADN humain et d'ADN de chat. C'est incroyable, mieux vaut l'envoyer à Jerry. Peut-être qu'il pourra identifier l'étrange créature à qui elle appartient. Ouais. On pourrait peut-être aller à la prochaine séance. Alors, dis-moi, Clover, quel genre de lobe d'oreille préfères-tu? Charnu, sphérique, allongé? Oh! Alex, par ici! Assieds-toi près de Sam! Merci, Clover. C'est doux, ça me plaît. À ce point-là... Alex! Tu joues à quoi, là? Ne t'inquiète pas, c'est qu'un petit coup de fatigue. Quand elle manque de sommeil, Alex est toujours très très câline. Oh, je me souviens avoir été moi-même très fatiguée à l'université, mais en aucun cas je n'ai eu des comportements aussi particuliers. Hey, mais Ici. C'était quoi ça? Je sais pas du tout, vaut mieux aller voir, non? On se retrouve à la maison. C'était une chance que tu sois là. Merci pour la diversion, ça m'a sauvé que tu fasses n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par n'importe quoi? Oula! Les copines, vous voyez ce que je vois? C'est sans doute pour ça que quelqu'un a hurlé. On a vandalisé la belle fontaine de Beverly Hills en la remplissant de sable. Ah, c'est dégoûtant! Mais c'est de la litière pour chat. On a exactement la même au laboratoire. Étrange. Vous croyez que c'est un rapport avec les autres événements bizarres qui se sont produits partout dans le monde? Vous concourez pour avoir le prix de la blague la plus nulle? Quelle honte! Vous avez osé massacrer mon Beverly Hills adoré! Tiens. Oh, Jerry! Lui-même, vos costumes, non? Je suis arrivée au congrès, mais j'ai tout de même pris le temps d'analyser votre envoi. Vous avez trouvé quoi, alors? Il s'avère que l'ADN humain est celui d'une certaine Féline Thion. Féline Thion? Mais c'est la prof du labo des félins où je suis bénévole. Je comprends mieux, j'arrivais pas à identifier ce qu'elle avait sur le visage. En fait, c'était des moustaches. Oh, misère! Mademoiselle, dépêchez-vous de poursuivre l'enquête en cours. Je vous laisse, mon cheval s'impatiente. Alex, on peut savoir ce qui sort de sous ta jupe? C'est bizarre comme accessoire. Oh, trop mignon! Trop mignon! C'est pas du meilleur goût et c'est pas un peu trop voyant? Tu te transformes en chat ou quoi? C'est certainement à cause de cette griffe qui t'a piqué le doigt. Moi, ça me met mal à l'aise que tu deviennes un félin. Ah ça, non! Tu sors de cette litière, Alex! Il faut tout de suite aller au laboratoire des chats pour essayer de comprendre ce qui se passe. Un gentil chaton, hein? Rien de spécial, mais comme on sait pas ce qu'on cherche, eh ben normal que rien ne nous saute aux yeux. Bien joué, Alex, tu as eu du flair. Waouh, ça c'est un super terrain de jeu. Un terrain de jeu pour chat peut-être, mais nous on n'est pas concernés. Oh, j'avais oublié. Profites-en, Alex. Ce dispositif ressemble à l'enceinte de confinement d'une unité cryogénique. Ça t'ennuierait de traduire pour le commun des mortels dont je fais partie? C'est un réfrigérateur sophistiqué. La question est, qu'est-ce que c'est que cette substance? Un sérum qui contient de l'ADN de chat? C'est un peu bizarre d'avoir ça dans son frigo. Passion n'aime les chats aussi passionnément que moi. Ah, vous êtes Féline Thion, je suppose. Et à ce que je vois, vous avez testé le sérum sur vous. Hein? Miaou. Eh oui, devenir soi-même un chat, c'est encore mieux que d'en avoir un. Or, j'ai trouvé le moyen de faire fusionner l'homme et le chat pour toujours. En mélangeant leurs ADN. Il ne vous est pas venu à l'esprit que tout le monde ne tenait pas à être à moitié chat? Enfin, ça demande beaucoup d'entretien, la fourrure.
Ça ne semble pas déplaire à votre ami, en tout cas. Oh, Alex! Quand j'aurai inoculé ce sérum à l'humanité entière, chacun pourra apprécier ce bonheur intense qu'aujourd'hui, seul Alex et moi ressentons. Je comprends mieux maintenant. C'est sûrement vous qui avez féliniser tous ces monuments. La nouvelle espèce homme-chat va faire du tourisme. Je m'applique à refaire le monde à son image. Miaou! La première cible que je me suis fixée, c'est Maliou. Cette dingo va exécuter son plan. Il faut absolument l'en empêcher. Oui, évidemment. Mais l'ennui, c'est qu'ils sont très solides, ces barreaux. Comment tu veux qu'on ouvre? Alex, tu pourrais te servir d'une de tes griffes pour crocheter cette serrure? Non, mais avec plaisir. Excellent! Merci, mon petit minou. Maintenant, j'injecte le sérum contenant l'ADN de chat dans les canalisations de l'université. Et voilà, dans 2 minutes, l'arrosage automatique va s'activer et tous les étudiants vont devenir de superbes créatures mi-hommes, mi-chats. Féline est là. Je crois que je vais avoir de la compagnie. On va s'amuser, j'adore jouer au chat et à la souris. Acrobatie, t'as vu ce bond? Mais nous aussi on assure, on est des Total Spies. Là, les bottes tremplin hyperboliques sont de circonstance. Fantastique, les filles, vous êtes aussi agiles que moi. Vous pouvez toujours me pourchasser, mais vous ne m'attraperez pas. J'ai mon chef-d'œuvre à accomplir. Elle a peut-être 9 vies en tant que femme chat. On peut croire qu'Alex aussi. Mais vite, elle va s'échapper. Qu'est-ce que vous attendez? Parée à décoller? Allez, saut périlleux. Oula! Je viens de comprendre son plan. C'est par le système d'arrosage qu'elle va contaminer Maliou. Ne la lâchez pas, je m'occupe de stopper le sérum. Les filles? Oh oui, on va la pister, Sam, dès qu'on se sera dépêtré de cette pelote de laine. Bon, on en finit avec ce chaboté. Hein, Alex? Ça va être réglé en un coup de patte. Une boule de poils géante, j'en ai partout. Féline, c'est toi qui vas payer la note du pressing. Il me reste que 30 secondes. Alors, ça te plaît d'avoir la rapidité et la souplesse d'un félin, Alex? Je reconnais que c'est agréable, mais je vais pas pour autant vous laisser transformer toute l'humanité en chat. Il faudra bien t'y faire. Pas les pattes! Oh non! Là, il va me falloir l'aide d'un gadget hyper puissant. Le gel capillaire solidifère devrait faire l'affaire. Mais c'est pas trop le moment de faire la coquette, Alex. C'est pas pour l'esthétique, c'est pour mettre fin à ces violentes chamailleries. Envoie! Oh, c'est amusant, un pendule. Le quitte pas des yeux. Regarde-le, suis son balancement. Bien pensé. Bravo, Alex. Alex! Oh, c'est vrai que t'es un petit minou. C'est rien, détends-toi, mon petit chaton. Oh non, la canalisation va exploser. Mais pour stopper l'arrosage, la tornade polaire mentholée sera l'idéal. Ah.
Très rafraîchissant. Oh. Trop beau. Cette sculpture de glace est magnifique. Je parie qu'elles vont la massacrer aussi, ces trois bécasses. Les Spies, pouvons-nous vous être utiles? Justement, on avait une livraison pour vous. Il faudrait mettre cette vilaine féline un peu au calme. Oups. Ce n'est que moi, Alex. Je vais vous aider à retrouver votre apparence. En fait, c'est très agréable. Je me demandais si je pourrais pas rester chat. Allez, venez avec moi. Nous en discuterons au Whoop. Je vais envoyer quelques agents réparer les petits dégâts occasionnés. Merci, Thierry. Oh, c'est pas vrai. J'avais totalement oublié ma mère. Il faut que je rentre à l'appart tout de suite. Elle m'attend. Un conseil, Clover. Dis-lui franchement que tu préfères le stylisme à la médecine. Mmh. Et puis, n'aie pas peur de la décevoir, elle comprendra, c'est sûr. Coucou maman, me revoilà. Ne fais pas attention à ça maman. Pour me distraire, je fais des croquis, je gribouille. Rien à voir avec ma passion pour la chirurgie, spécialement celle du lobe de l'oreille. En fait, quand je me suis souvenue que demain j'avais un partiel sur les différentes formes de lobes, j'ai foncé à la bibliothèque pour réviser. C'est vrai, ces histoires? Bon, d'accord, j'arrête. Je suis démasquée. C'est pas mon truc la chirurgie. Ce que je veux c'est être créatrice de mode. Je suis des cours de stylisme. Excuse-moi de te l'avoir caché pendant tout ce temps, mais j'avais trop peur que tu sois déçue et que tu m'en veuilles. Tu pourras me pardonner, maman? Je n'ai rien à te pardonner, voyons, chérie. Je me réjouis que tu aies trouvé ta propre passion. Et je t'aimerai toujours, même si c'est la mode qui t'émerveille davantage que les lobes d'oreilles. T'en es sûre? Mais bien entendu. Et ne l'oublie pas, quoi que tu fasses dans la vie, je serai là, près de toi, et tu pourras le partager avec moi. Merci, maman. T'es la meilleure. Bon, alors... Que dirais-tu de me créer un nouveau modèle de blouse médicale pour l'hôpital? Oh, mais tout de suite, super! Oh. Le graphisme est réaliste, l'action est prenante. On peut acclamer le concepteur de ce jeu vidéo, c'est un pro. Oh. Un nouveau jeu à tester. On va voir si le contenu est aussi brillant que le disque. Plus tard. J'aurais dû m'en douter. C'est pour toi, Sam, qu'on fait du repérage. Oh, pour moi? Il fallait me le dire tout de suite. Oh, regarde celui-là. Tu as vu cette carrure? Oui, carrure d'athlète, mais peut-être pas grand-chose dans la tête. J'en voudrais un plus intelligent. On ne juge pas quelqu'un sur les apparences. Il te plaît pas, lui? Et lui? Et lui? Celui-là est trop stressé par la rentrée. Celui-là se croit irrésistible. Mais c'est pas le cas. Oh, mais celui-là pourrait très bien me correspondre.
Pour toi, il n'y a pas de doute, ce serait une aubaine. Mais lui, aucune chance qu'il s'intéresse à toi. Rêve pas, Sam. Si tu cherches désespérément un petit ami, j'ai trouvé celui-ci dans mes fonds de tiroir. Merci, Mandy. Mais Sam n'est pas aussi désespéré que tu le crois pour accepter ton aide. Tu peux garder tes seconds choix. De toute manière, vous ne jouez pas dans la même cour. Que vois-je? Tu le trouves pas super craquant? Ben, faut aimer le genre qui s'habille comme au siècle dernier. Jeune fille, je suis Dean Warden. Et il ne m'a pas échappé que 3 étudiantes se sont permis de sortir très tard sur le campus hier soir. Si ça te dérange, Dean, va faire le rapporteur auprès du responsable. Sachez que c'est moi le responsable et on dit Monsieur Warden quand on parle du doyen des étudiants. Or, je pense que ces noctambules, c'était vous. Les images de la vidéo de surveillance l'attestent. Non! C'est très gentil à vous. Justement, j'avais un petit creux. On a un problème, Jerry. On a un nouveau doyen. Il nous a à l'œil. Il a l'air très strict sur les règles. Ne craignez rien. J'ai ici un gadget qui vous alertera quand il sera dans les parages. Merci, Jerry. Mais comment ça fonctionne? On est censé le jouer à pile ou face? Pile, il est loin. Face, il est dans le coin. La mini-pièce traceuse n'est pas monnaie courante. Il s'agit d'un bijou high-tech dernière génération. Une fois placé sur votre doyen, l'alarme de votre com-poudrier vous avertira s'il approche. C'est cool, ça! Dommage que personne n'ait placé ce dispositif sur l'éminent concepteur de jeux vidéo qui vient de disparaître dans des circonstances bien étranges. Étrange? Que s'est-il passé? On ne le voit pas quitter les locaux de la société sur la vidéo de surveillance. Cependant, il reste introuvable. À vous d'éclaircir cette affaire de toute urgence. Mais avant l'enquête, distribution de gadgets. Le dissolvant à ongles décape tout pour commencer. Il perfore même d'épaisses couches de béton en une seule application. Le séchoir à cheveux liquéfiant thermique qui fait tout fondre sur son passage. Et les écouteurs brouilleurs de fréquence. Ils diffusent de la musique? Absolument pas. Ils émettent des ondes surpuissantes pouvant parasiter les plus stables des plateformes numériques. En forme pour cette nouvelle mission? Dites-moi, pourquoi on doit s'introduire dans ce bâtiment par le toit et non par la porte d'entrée, comme tout le monde? Parce que nous, on n'est pas comme tout le monde, justement, on est les spies! Les jeux vidéo créés dans ces locaux sont classés top secret. Pour notre bien, il vaut mieux qu'on ne se fasse pas repérer. Voilà, comme ça, on peut entrer discrètement par ici. Discrètement, ça c'est moins sûr. On croirait être tombé en plein milieu d'un champ de bataille. Au moins, ils n'ont sûrement pas pu entendre le bruit qu'on a fait en entrant. Allons voir ce qui se passe. C'est ça, le champ de bataille? Un petit groupe d'accros aux jeux vidéo? Oh, ils sont tellement rivés à leurs écrans qu'on pourra se déplacer sans qu'ils nous remarquent. Ha-ha! Vous, je sais ce que vous faites là. Oui, vous avez forcé l'entrée déguisée en orbe de la planète Glaire pour avoir un autographe de Seth Nathan. Oui, bien vu, t'as tout deviné. Mais c'est quoi un orbe? Enfin, c'est où la planète Glaire? Enfin, c'est qui Seth Nathan? Mais c'est le meilleur concepteur de jeux vidéo de Silicon Valley, mais il a disparu. On est inquiet parce qu'il sort jamais de l'enceinte du labo. On peut dire qu'il passe toute sa vie dans son bureau. Eh ben, vu qu'on a fait ce long chemin depuis la planète Glerp pour voir Seth, tu pourrais peut-être nous le montrer, son bureau. Désolé, c'est un espace privé. Vous allez devoir partir. Modification avatar acceptée. Toby, tu laisses mon avatar tranquille. Je t'interdis de le transformer en troll. T'arrêtes. Oulala. Il vit ici? Eh ben, il n'est pas exigeant sur le confort. Peut-être qu'il se contente d'une salle de bain virtuelle. Oh, il est super craquant. Plus la peine de chercher, j'ai trouvé le garçon idéal. Pour une fois qu'il y en a un qui te plaît, dommage qu'il soit porté disparu. Un truc semble avoir brisé et traversé son écran. Vu les dégâts, il y a dû y avoir une action en 3D percutante. Il a un regard tellement doux et sensible. Oh, j'espère que là où il est, il n'est pas trop effrayé. C'est pas le moment de s'attendrir, Sam. Celui qui vient de fermer la porte nous espionnait pendant qu'on était en train d'espionner. Faut qu'on l'attrape. D'accord, on fait un trou dans le toit, mais c'est pas normal qu'il y ait de la neige à l'intérieur. On est en Californie. C'est peut-être un maladroit qui a renversé sa boisson avec de la glace pilée. Oui, mais la glace pilée, ça mouille. Pourquoi vos vêtements sont secs? Celui qui a le disque lumineux pourrait peut-être nous le dire. Je suis déçue. D'habitude, je cours pas après les garçons pour ça. Oh.
nous a échappé. On n'a pas pu l'identifier, mais envoyons déjà ça à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Bonne idée, on en prélève un échantillon et on file. Voilà le doyen. En apnée, on plonge dans la poubelle. Prêt, on a eu chaud. Il passe son temps à faire des rondes. Si on veut s'en débarrasser, on a intérêt à placer la pièce traceuse sur lui. On va aussi avoir du mal à se débarrasser de cette épouvantable puanteur. Regardez, il est partout, il nous espionne sans arrêt. Le mieux est de lui glisser la pièce traceuse dans les chaussures. Et ça tombe bien, elles sont sous son bureau. Il y a quelqu'un? Ça y est, les copines, on va enfin pouvoir faire notre travail sans que Dean nous espionne en permanence. Ah, bravo! Vous êtes déjà mis le doyen à dos. Vous avez vraiment le talent de toujours vous attirer des ennuis. Et pour attirer les punaises, la preuve, non? Encore des paparazzi sont toujours après moi. Je vais faire exprès de les fuir pour qu'ils soient encore plus motivés. Oh non, non, pas de photo, pas de photo. Non, mais j'hallucine, là. Ouais, on a beau s'attendre à tout, elle arrive toujours à nous surprendre. Non, je parle de Dean, il approche et l'alarme de nos com-poudriers n'a pas sonné. Mais c'est quoi ça? Jerry nous a donné une pièce traceuse défectueuse. Vous êtes prêtes, les Spies? Parce que voilà l'hélico du Whoop. Mademoiselle, un danger menace. On sait comment il s'appelle. Dean, notre doyen, nous traque. Merci pour le gadget high-tech d'hier. Parce que c'est pas mieux qu'avant, il débarque sans qu'on soit prévenu. C'est quoi le problème? Bonne question, c'est le sujet qui ne l'est pas. Une conceptrice qui fait une séance de dédicace à Tokyo pour la sortie de son dernier jeu vidéo est en train de se faire agresser. Vous vous rendez tout de suite sur les lieux pour arrêter ça. On en fait notre affaire, Jerry. Et on voudrait bien que ce Dean se mêle des siennes, mais votre gadget ne fonctionne pas. Bon voyage! On se croirait dans la réalité. Parce qu'on l'est dans la réalité. C'est peut-être juste une mise en scène pour pousser les gens à acheter son jeu, de la publicité, quoi. Si c'était le but recherché, c'est raté. Les clients potentiels n'ont pas l'air emballés. Vous avez vu ça? Il fait froid dans le dos, ce bonhomme de neige. Elle vient de disparaître sous nos yeux. Bon, allez, en piste, on va fondre le bonhomme. Le fait exprès, Jerry, ou quoi? Ça marche pas parce que c'est un bonhomme de neige virtuel. Les pixels, ça font pas. Oh non! Regardez ce qu'il fait, celui-là. C'est lui qui contrôle le bonhomme de neige. Allons lui prendre la télécommande et adieu le vilain bonhomme. Voilà! Il leur aurait fallu de meilleurs économiseurs d'écran ici, parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel à remplacer. Espérons que l'écran de contrôle n'est pas en miettes lui aussi, parce qu'on doit vite localiser le givré à la télécommande et sa créature maléfique. Pas besoin de ça. J'ai pu lancer la pièce dans sa poche quand il s'enfuyait. Génial! Tu devrais intégrer l'équipe de basket. Bon, allez, on fait le point. Où on en est? Alors, il y a un bonhomme de neige féroce dans la nature, et ça a peut-être un rapport avec ce que j'ai pris tout à l'heure pour de la glace pilée. Je me demande pourquoi quelqu'un a voulu faire disparaître ces deux concepteurs de jeux vidéo. Mesdemoiselles, les choses ne font qu'empirer. D'autres concepteurs de jeux vidéo ont disparu. Je tiens aussi à vous informer que la substance que vous m'avez envoyée est de la neige artificielle. Elle a tous les aspects de la neige, mais son procédé de fabrication sophistiqué fait qu'elle ne fond pas, quelle que soit la température. Merci, Jerry. On va faire l'impossible pour sauver Seth. Et les autres concepteurs?
Aussi, bien entendu. Le garage d'une maison quelconque. Rien à voir avec le repère angoissant que je m'étais imaginé. Personne, on peut y aller. En fait, j'avais raison. Cet endroit est angoissant. Angoissant et répugnant. Oh, attention! Quelle horreur! Elle est trop bizarre, cette chaussette. Ah oui, elle est tellement pourrie qu'il y a du moisi-vert qui brille dessus. Elle est verluisant. C'est très bien, tu as déniché un disque de jeu, Sam. Mais on n'a vraiment pas le temps de faire mumuse avec ce jeu vidéo stupide. Ça n'est pas stupide! Enfin, peut-être que ça nous donnera une petite piste. On est piégés, trouver un moyen de nous libérer! D'accord, c'est pas un jeu. Pourtant, la partie sera perdue pour eux si on ne fait rien. Oui, il faut intervenir. Mais si on veut entrer en jeu, Sam, il va falloir qu'on entre dans le jeu. Ça, c'est l'œuvre d'un esprit tordu. Je me demande quel est l'individu qui a une idée pareille. C'est moi! Vous êtes qui, vous? Skip Joystick. Qu'est-ce que vous faites dans le garage de ma maman, hein? Et vous, mon grand, vous ne devriez pas avoir quitté le nid de votre maman à votre âge? Ouais, c'est clair. Je devrais plus habiter là depuis longtemps. J'aurais dû m'offrir un manoir avec les millions gagnés grâce à mes conceptions de jeux vidéo. Mais toutes mes maquettes ont été refusées par les soi-disant grands maîtres. Ils sont maintenant piégés dans mon jeu. Ah, ils font moins les fiers! Quand on essuie autant de refus, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il faut savoir renoncer. Pourquoi je renoncerais? Parce que ces idiots reconnaissent pas un jeu en or quand ils en voient un? Regardez ça! Buzzer ultrasonique en folie, course de turbo aérosol éco-recyclable. Et voici un chef-d'œuvre de génie, une révolution technique. J'ai créé un système qui fait sortir le personnage du jeu et le projette dans le réel. Voici la vengeance de l'abominable bonhomme des neiges. J'ai programmé mon impitoyable créature pour qu'elle fasse d'énormes dégâts en mode destruction selon mes besoins et je contrôle les personnes qu'elle me capture. Comment quelqu'un d'assez brillant pour créer un système aussi sophistiqué peut-il être en même temps assez nul pour créer ce genre de jeu? Pas la peine de répondre. Vous vous en expliquerez devant les autorités du Boop. Skip Joystick ne s'explique devant aucune autorité. Sauf maman. Eh ben, prévenez-la que vous serez en retard pour le dîner pendant quelques temps, disons les 20 prochaines années. Qu'on le veuille ou non, on se prend vite au jeu. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, ma petite maman. Bien anticipé. Ah, quelle force, j'ai l'impression d'être un poids-plume. Merci. Désolée d'écourter ce moment si romantique, mais la priorité, c'est de s'enfuir de là en vitesse. Regardez, ce monde est en train de se dépixeliser. Qu'est-ce qui se passe là? C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est mathématique. Mais il faut une parfaite maîtrise du langage hexadécimal pour le comprendre. Il est plus accessible que le code binaire, mais beaucoup plus complexe que le zoulou. Et quand une fille tombe amoureuse, ça correspond à quelle équation? La difficulté technique à laquelle vous êtes confronté vous sera fatale. Le jeu va s'autodétruire. La dépixelisation que j'ai programmée va faire le vide absolu et vous serez anéanti avec lui dans 30 secondes. Allez les petits génies, connectez vos neurones. Il nous faut une stratégie d'évitement et de sortie en urgence. On bouge, on y met toute notre énergie. Vous avez affronté les pires dangers dans les jeux d'action. Alors on y va, montrez que vous êtes de la même étoffe que vos héros. Je sais pas où on s'échappe. 60, 7, 6, F, 20, 70, 4, 5, 8, 7, 1. Tu parles le langage hexadécimal, hein? Oui, couramment. Mais si ça t'ennuie pas, tu veux bien traduire pour les autres. Attention! Ça pourrait être notre portail de sortie de jeu. Et ce toboggan de glace pourrait nous permettre d'y accéder. Il a failli me faire mal. Mieux vaut mettre des protège-oreilles comme ces écouteurs brouilleurs de fréquence. Oh, c'est trop fort. Jerry est un vrai génie. Jerry, c'est ton petit ami?
Qu'est-ce que vous avez à rigoler? Il vous reste 4 secondes avant d'être dématérialisé à jamais. Skip, tu as sorti la poubelle comme je te l'avais demandé? Je le ferai plus tard, ma petite maman. D'abord, je dois finir un truc super important. C'est parti. On commence par un jeu d'escalade. Direction le toboggan. Vous avez ruiné tout mon beau travail, plus détruit l'écran de ma maman et mis le bazar dans son garage. Elle va me gronder et je vais être puni. Mais ça vaut le coup si c'est pour vous voir tous réduits à néant. Oh, c'est vrai, ils vont tous nous détruire. Bah, c'est pas gagné d'avance, ça je vous le dis. Parce que les Spies vont contre-attaquer. Ma combinaison. Alors là, non, hein, je supporte pas ça. Je mets le buzzer hors jeu. Lâche ça tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis une fille, alors je saurais pas m'en servir. Oui, mais j'ai un cerveau. Maman! Désolée, Skip, mais il y a des virus dans ton jeu. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gros virus? On les élimine. Oh non! Tout va bien là-dedans? Oui, t'inquiète, je discute avec des amis, maman. C'est ça. Et tu vas poursuivre cette discussion avec tes compagnons de cellule. Écoute, Sam, à tout hasard, je voulais te demander si tu serais éventuellement d'accord pour sortir avec moi. Je connais un endroit où il y a une borne d'arcade avec des jeux vidéo sympas. Et... ça me plairait beaucoup. Ça te plairait de... je veux dire... C'est super. Mission accomplie, les copines. Il y a eu 2 missions accomplies. On a sauvé des innocents et j'ai rendez-vous avec un garçon. Et l'hélico camouflage du Whoop nous a permis d'échapper à ce Dean trop curieux. En tout cas, jusqu'à présent. Il va entrer par la porte de derrière. Il y a 2 Deans. 1, ça va. Mais 2, c'est la cata. Et ça explique pourquoi la pièce traceuse n'a pas fonctionné. Et voilà pourquoi on a l'impression de vous voir partout, parce que vous étiez 2. Alors, pourquoi on s'y retrouve, là? Si vous nous disiez lequel de vous est le gentil. Les étudiants n'entrent pas par cette porte. C'est formellement interdit. Pour la peine, vous avez un avertissement. Mesdemoiselles, attention, nous vous avons à l'œil jour et nuit. Waouh! Maintenant, il va falloir faire 2 fois plus d'efforts pour éviter de se faire repérer. Alex, et qu'est-ce que tu cherches? Je veux seulement m'assurer qu'il n'y a pas d'autres Deans sur le campus. Ça pourrait être des triplés, ou des quadruplés, ou des quintuplés. Oui, bien sûr.
sûrement ici. Yo! Y'a quelqu'un? Oh, mais qu'est-ce que... Les copines, c'est l'heure de Super Méga Danse Show! La plus extraordinaire des compétitions de danse jamais diffusées à la télévision! Oh, pas de panique, c'est pas du direct, on l'a enregistré! Pourquoi t'es si pressée, Clava? Bah, c'est à cause de mes cours et de mon emploi du temps de folie. J'ai déjà été obligée d'attendre 9h42 et 16 secondes pour le regarder. Je peux pas attendre plus longtemps. Alors, vous êtes prêtes pour des super méga mouvements qui défient la gravité? Hey, salut et bienvenue à Super Méga Dance Show. Je suis votre super méga animateur, Brick Wave Break. Brick est super méga chou. Après cette dernière semaine d'élimination, c'est moi, Super Méga Brick, qui animerai cette soirée qui verra le couronnement du meilleur danseur du monde. Tout ce qui concerne Brick est super méga, de sa super méga coupe de cheveux à son super méga bronzage. Brick revient tout de suite après cette petite page de publicité. Qui ça peut bien être? Salut, c'est moi Brittany. Au cas où vous vous poseriez la question, ça s'écrit avec deux T, deux N et deux... Pardon, mais qui tu es? Et comment tu as fait pour rentrer dans notre appartement? Je viens de vous le dire, les copines, c'est moi Brittany, votre nouvelle coloc. Quoi? Notre coloc? Il doit y avoir une erreur, nos placards... enfin je veux dire, notre appartement est déjà plein à craquer. Ne vous en faites pas, je prends pas beaucoup de place. Et puis je suis sûre qu'on va très vite devenir les QMADM. On peut savoir ce que ça veut dire? Les quatre meilleurs amis du monde. Tu veux nous excuser une seconde? Oui, on doit se repoudrer le nez toutes les trois. Ah, vous y allez ensemble? On est inséparables. Une nouvelle colocataire. Mais comment Jerry a laissé faire ça? On est des espionnes internationales et on a besoin d'intimité. En parlant de Jerry, j'ai la sensation qu'il va nous appeler pour une mission dans très peu de temps. Je serais tentée de dire tout de suite. Bonjour les Spies, je vous ai fait venir pour vous informer d'une situation inquiétante sur le plan international. On pourrait parler au vrai Jerry. Ces images plus grandes que nature commencent sérieusement à me stresser. Désolé, le Whoop teste de nouveaux éléments de décoration. Avec ça, si les méchants vous cherchent, ils vont devenir fous. Exactement. Bon, revenons à nos moutons, comme dit le berger. Une ballerine mondialement connue, une danseuse de jig irlandaise très célèbre, et plus récemment, un danseur urbain qui avait déjà tourné de très nombreux clips ont disparu de façon très mystérieuse. Oh, c'est affreux! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aucun indice. J'ai cependant réussi à localiser le téléphone portable du hip-hopper à Londres, en Angleterre. Je crois que danseur de hip-hop est le terme approprié de Jerry. Alors oui, évidemment. Donnez-nous nos gadgets et on part sur ses traces. Oui! Parfait! Il vous faut vos sacs à dos à jet propulseur. Votre bombe de lac glaçante fraîcheur des montagnes. Votre rouge à lèvres explosif. Votre séchoir à cheveux réducto compact. Et pour finir, vernis dissolvant ultra rapide. C'est le moment de partir, mesdemoiselles. En fait, c'est quoi cette histoire de coloc? Ah oui, l'arrivée de mademoiselle Brittany est une surprise. Mais ne vous inquiétez pas, le Whoop est sur le coup. À bientôt. Bah, j'espère seulement que Brittany n'est pas en train de faire n'importe quoi dans l'appartement. Elle ferait mieux de pas toucher le disque dur. Dès qu'on rentre, je m'installe sur le canapé devant Super Méga Dance Show et le superbe Brick Wave Break. Hi London. Bienvenue à Londres les Spice. On se retrouve au sol. Ouais. Oh, ça je le sens moyen. Oh, au secours les copines. Clover, essaie le mot. Surgonflage! C'est ce qui s'appelle aller droit au but! Ça fait un point pour notre équipe! Enfin, on est sur la terre ferme, alors on va pouvoir découvrir comment ce danseur de hip-hop a disparu!
Mon comme poudrier indique que c'est le bon endroit. On dirait bien qu'il n'y a qu'une seule façon d'entrer, le mode espionne. On va tester ce rouge à lèvres explosif. Bravo, bien joué, Alex. On y va, les copines. On se sépare pour trouver tous les indices possibles. Regardez ça, c'est un bout de lacet. Les danseurs de hip-hop portent toujours des super baskets. C'est un peu léger comme indice, mais on envoie ça à Jerry pour qu'il l'analyse. Oh, non! Ah! Ah! Hé, c'est moi qui viens de faire ça? Ouais, cet endroit est complètement piégé. Des traces de pas. Et il semblerait que la personne qui l'a piégé chose du 43. Ah! Bonsoir, les Spies. Comment se passe votre mission jusqu'ici? On a trouvé des empreintes et un bout de lacet. Excellent. Je vais demander au labo d'analyser ça illico. Jerry, vous n'oubliez pas quelque chose? Oh, bien sûr. Et puisqu'il n'est que 14h à Maliyu, les cours commencent dans un quart d'heure. Ce n'est pas le moment de lever le pied, hein? Oh, j'aimerais être un bon lanceur. C'est un atout considérable pour séduire les gens féminines. Qu'en dites-vous, mademoiselle? Étudiante et espionne, c'est très fatigant. Oh oui, j'ai besoin d'un jus de fruits vitaminé et tout de suite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il y a des auditions pour Super Méga Dance Show sur le campus aujourd'hui. C'est pas vrai, Trent? Tout ce que tu dis est vraiment dit. Allez, dégagez de mon chemin, les bécasses, je dois aller m'inscrire. Vite, venez, on ferait mieux de se dépêcher avant que toutes les places soient prises pour l'audition. Attendez, vous avez vu le nombre de candidats? Je crains qu'on arrive trop tard. On dirait qu'on va devoir mettre nos rêves de danse entre parenthèses. Il n'est jamais trop tard. Breakwave break. Qu'est-ce que vous faites ici? Maliyu est connu pour avoir le meilleur programme de danse du pays. Brick voulait absolument s'assurer de ne pas laisser un jeune espoir talentueux inconnu. Alors il a décidé d'accorder exceptionnellement une chance aux étudiants du coin grâce à cette audition pour l'émission en direct de la semaine prochaine. On se voit au studio, mademoiselle. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend, les copines? On fonce à ce super méga danse show, non? Suivant! Les danseuses sont gracieuses, mais pas toi. Suivant! Qu'est-ce que t'es mignon? On pourrait sortir ensemble un de ces jours. Ce n'est pas le moment de draguer. Suivant! Mais on n'est pas au cirque! Suivant! Bravo! Oh, c'est génial! Tu es la meilleure danseuse que Brick n'ait jamais vue! C'est vrai? Mais Brick t'invite officiellement à son prochain super méga danse show! Oh, qui commence dans une heure d'ailleurs dans mon studio de LA. La prochaine émission, c'est pas la semaine prochaine? Grâce à la magie de la télévision aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. Je le crois pas, je participe au super méga show! Je participe au super méga show! Je rêve ou c'est un lustre pied de vache? Notre bel appartement est passé de super trop beau à super trop beau. Je pense parler pour nous toutes quand je dis vachement moche. Je voulais que cet appartement ait un côté plus convivial, hein? Tu t'es installée dans mon état, dans ma chambre? Oui, c'était la seule chambre qui soit exposée à l'est. Plus t'es couchée, plus t'es levée, hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé à toutes mes super tenues? Maintenant, on a le même style, copine. Quelqu'un a bu tout mon lait. Non, copine, je m'en suis servie pour notre première activité de rapprochement QMADM. Bar à Telbert.
du beurre frais sur des épis de maïs tout chaud. Mais c'est super bon. Avant que vous ne disparaissiez encore, il y a une chose qui doit impérativement être tirée au clair. Comment tu as pu faire ça à notre super appart? Non, je voulais savoir où vous étiez passé tout à l'heure. Si tu veux bien nous excuser une seconde. Ouais, on doit aller chercher quelque chose dans la chambre de Clover, alors... Vous y allez toutes les trois ensemble, encore? On est inséparables. Jerry, on a un énorme problème à régler. Oui, je suis au courant. Les analyses sur le lacet de basket révèlent les traces ADN du danseur de hip-hop disparu. C'est encore pire que ça. Je suis obligée d'avoir le look country tout droit échappé d'un rodéo. Est-ce que les empreintes de pas nous donnent des indices sur l'auteur de l'enlèvement? Étant donné que vous n'avez relevé que des empreintes de pied gauche, tout semblerait indiquer que notre suspect est une seule jambe. Wow, ça c'est pas banal, hein. Sam, Clover, Alex! Jerry, vous allez la renvoyer dans son étable? Oh, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je vais régler ce détail. Oh, la finale du concours de danse commence dans 10 minutes. J'ai une idée pour refroidir l'enthousiasme de notre chère Brittany. C'est le moment idéal pour un peu de lac glaçant de fraîcheur des montagnes. Maintenant, voyons lequel de vous aura un pied dans la compétition. Alors, vous n'avez rien de mieux? Pas de correspondance? Échec! Oh, salut! J'ai mieux à faire, vous savez. Échec! Vous êtes totalement nul. Échec! C'est fou, hein? Décidément, il n'y a que les danseurs pour rester canon dans des tenues aussi ridicules. Dans la précipitation, on a complètement oublié de me trouver une tenue. Qui soit idéale pour ton moment de gloire, je peux régler ça. C'est une vraie merveille, Clover. Génial, tu es juste à l'heure, parfait. Alex, tu passeras la première. Oh, attendez, je passe la première. Hey, mais t'en fais pas, tu vas être la meilleure. Tu vas tout casser. Pas ses jambes, j'espère. Bienvenue à Super Méga Dance Show. Je suis votre Super Méga Dance animateur, Brickway Fred. Nous allons tout de suite accueillir la première. Qu'est-ce qui... Je croyais qu'Alex passait la première. Oui, moi aussi. On devrait aller voir où elle est. Cette plume vient du costume d'Alex, c'est certain. Quoi? On dirait qu'il y a une pièce secrète sous le studio. Oui, il faut qu'on se rétrécisse pour entrer là-dessous. Le séchoir à cheveux réducto compact est le gadget idéal pour ça. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'avoir la taille d'une souris. Sam, oh, regarde. T'en fais pas, Alex, on va te sortir de là. Pas si vite, mais toute petite petite fouineuse. Bah les pattes, le méchant! Prends ça! Tiens! Comme si deux millions kikineuses de votre genre pouvaient se mettre en travers de mon super méga rêve de danse! Oh, je comprends rien. Je vois pas pourquoi Brick fait un truc pareil. Peut-être qu'il est en colère à cause de ce super méga meuble à chaussures et de sa super horrible odeur de pied. Vous croyez que c'est facile de rêver d'être un danseur célèbre et d'être la seule et unique personne dans l'histoire de l'humanité à être venue au monde comme ça? Ça explique les empreintes bizarres qu'on a trouvées. C'était pas un suspect unijambiste. C'était seulement un suspect avec deux pieds gauches. J'ai passé toute ma vie à rechercher un pied droit pour le voler. Aujourd'hui, grâce à mes machines ultra sophistiquées, je vais intervertir le pied d'Alex et le mien. Je vais réaliser mon super méga rêve de danseur. Vite! Il ne me reste que 60 secondes avant que le dernier concurrent termine sa lamentable prestation. Je scanne aussi vite que je peux. Non, je n'arrive pas à le croire. Elle est compatible. Ha 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 ha!
remporté mon titre de meilleur danseur du monde. Brick n'est pas notre seul problème. L'effet du séchoir à cheveux réducto compact est en train de se dissiper. Je crois que c'est la première fois que le dysfonctionnement d'un gadget nous sauve d'un mauvais pas. Vite, on doit libérer les danseurs. Le vernis dissolvant ultra rapide devrait faire l'affaire. Maintenant, je me lèverai toujours du pied gauche. Merci, il va falloir que je m'habitue au pied velu de Brick, c'est pas gagné. Vous avez vu tous les danseurs, il vous reste à voir les meilleurs. Et voici le meilleur danseur du monde. Quel style! Merci! Concentrez-vous, les filles! On va le faire valser notre voleur de pied! J'avais sous-estimé votre immense passion pour la danse! Bien joué, Charlatan! Vous vous débarrasserez pas de moi aussi facilement! Ah! Et c'est là que je change de partenaire! Ah! Ah! Je laisserai personne jeter ma copine de façon si cavalière. Hop, pardon, mais mon carnet de bal est plein. Oh non, j'arrive pas à contrôler ce truc. Laisse tomber, Brick. Alors ça, non. Je ne laisserai jamais tomber la danse. Ça fait pas partie de la Corée. Oui, c'est trop bien. Attribuer ce trophée en personne. Pas si vite, Mr. Tango. Maintenant, à nous de mener la danse. Mais pourquoi vous me lâchez pas, espèce de pot de colle? Ce pied est à moi. Alex! Je crois que mon intervention va jeter un froid. Championne du monde de danse en groupe? Cool! Je savais bien qu'on avait la danse dans la peau. Beau travail, mesdemoiselles. Le paquebot de croisière Whoop a besoin d'un bon professeur de danse. Thierry, vous n'oubliez pas quelque chose du genre pierre remplacée de toute urgence? Alex, nous allons utiliser sa machine pour régler ce problème. Et vous en êtes où avec notre coloc? Ah, pour Brittany, il s'agissait d'une simple erreur informatique dans l'ordinateur central de Maliyou. On lui a réassigné une nouvelle chambrette. Je me demande quelle pauvre fille va être coincée avec Brittany pour le semestre. Bienvenue chez nous, Kobili.
Une simple goutte devrait suffire. Excellent. Les premiers essais prouvent que le sérum anti-âge du Whoop est un véritable succès. Dans l'attente des prochains tests, je peux déjà dire que c'est très encourageant. C'est pas seulement savoir raconter une histoire. Être journaliste, c'est aussi et surtout découvrir la vérité. Oh, ce prof est génial. Votre devoir consistera à écrire un exposé pour le journal de l'école en relatant une injustice bien réelle qui a lieu dans le monde. Oh oh, les espionnes doivent entrer en jeu. Je rattraperai ce cours plus tard. Grâce à mon stylo diffuseur d'hologramme, ça devrait le faire. Maintenant, parlons du véritable sens du mot injustice. Ah ! Eh ben, il semblerait qu'on ait reçu la même alerte. Intrusion dans le laboratoire expérimental du Whoop. Je déteste quitter le cours de journalisme. Le professeur allait nous donner notre premier devoir. Et tu trouves que c'est grave? Nous, on débattait sur la place des escarpins et des baskets à talons dans l'avancée de la chaussure. Maintenant, je vais devoir attendre la fin de la mission pour découvrir quel style de chaussure porter selon les circonstances. Oh, moi, ça m'a pas tellement dérangé. Interro surprise sur le toilettage des animaux. J'espère que mon hologramme a révisé. Ah, on va être whoopé. Allez, on arrête le système de sécurité avant que ce soit lui qui nous arrête. Je suis un peu coincée là-dedans. Personne ne me bat au limbo. Je crois que je peux pas aller plus bas. Vous en faites pas les filles, je m'en occupe. Oh non. Maintenant, où est Jerry? Jerry! Désolé, mademoiselle, mais il semblerait que j'ai égaré mon badge du Whoop. Moi qui croyais être la seule étourdie. Non, mon échantillon de sérum anti-âge a disparu. Et cette beauté m'est apparue. Impossible pour moi de passer à côté d'un diadème incrusté de diamants. Fais voir. Oh. Non, pas tous. C'est moi qui ai trouvé cet accessoire. J'aimerais pouvoir étudier cet indice en premier. Oh, un cheveu roux. J'ai pourtant pas porté ce diadème. Cela dit, c'est un super indice. On va faire analyser ce cheveu immédiatement. Il est indiqué que ce cheveu appartient à Bertha Bombshell, une femme de 55 ans qui vit à Liverpool en Angleterre. Bizarre, Liverpool, c'est là que j'ai passé ma jeunesse. Vous avez eu une jeunesse? Mais bien sûr, tout le monde a eu une jeunesse. Oh, et vous avez connu Shakespeare? Bon, on va aller en Angleterre pour rencontrer cette Bertha, et tout de suite. Vos gadgets pour cette mission. Ces lunettes de soleil binoculaires pour voir les choses de plus près si besoin était. Des chewing-gums sans sucre, super épicés, plus épicés que jamais, pour un effet transpirant optimal. Une bague lance-toile pour prendre les méchants dans un filet gluant. Et une épingle à cheveux en titane capable de tenir les cheveux ou toute autre chose, hein, fermement en place. Oh, parfait. Très bien. Alors, vous pouvez y aller. Une seconde. Au cas où on rencontrerait la reine, je voudrais avoir une tenue adéquate. Whoopez-nous. Ah ah ah.
On devrait pouvoir s'y glisser sans aucun problème. Ça, c'est pas sûr. Ça m'a l'air très étroit. Non, ça va aller. Les chewing-gum épicés vont nous faire transpirer et nous pourrons nous glisser dans le conduit sans problème. Peut-être qu'il nous faudrait un autre chewing-gum. Ou pas. Il fait chaud là-dedans ou c'est moi? Ne supporte pas l'humidité. Voyons un peu ça. Est-ce que vous voyez ce que je vois? J'ai l'impression de rêver, d'être au paradis des concours de beauté. Regardez ça. Voilà Bertha gagnant le prix de Miss Thé et Brownie. Et là, c'est encore elle qui gagne le prix Miss Tour de Londres. Hé, regardez, là, c'est la première dauphine du concours Miss Poisson Frites. La gagnante est Mademoiselle Dorade. Je me demande ce qu'elle compte faire du sérum de Jerry. Après tout, elle est jeune et vraiment ravissante. Oui, sauf que toutes ces photos de la jolie Bertha remontent à presque 40 ans. Tu crois pas que... Que Bertha a volé le sérum anti-âge pour redevenir jeune et retrouver la gloire de ses 20 ans? Oui, c'est exactement ce que je pense. Il faut qu'on appelle Jerry et tout de suite. Oh, et regardez, c'est le badge du Whoop de Jerry. C'est vraiment bizarre qu'il l'ait perdu ici. Il l'a pas perdu ici. Bertha le lui a volé pour avoir accès au labo du Whoop. Mais comment savait-elle que ce labo existait? Hello les Spice, comment se passe votre mission? On est chez Bertha. Elle avait votre badge du Whoop et on pense que Bertha a dû utiliser le sérum sur elle. Oh, oh non, ce sérum n'est pas encore au point. Si vous ne trouvez pas Bertha tout de suite, la situation risque de devenir, comment dire, désastreuse. Elle est pas chez elle? Où est-ce qu'elle pourrait être? Je crois que je sais. Il y a le concours Miss Ado Planétaire à Monte Carlo. Et c'est aujourd'hui. Excellent travail, mesdemoiselles. Vous devez aller toutes deux... Un problème, Jerry? Oui, on dirait que vous avez vu un fantôme. D'une certaine façon, c'est le cas. Bertha est une de mes petites amies. D'abord, vous nous avez dit que vous aviez eu une jeunesse. Et là, vous nous avouez que vous avez eu une petite amie. Elle s'appelait Bertha Cronkshell à cette époque-là. Elle était vraiment superbe, elle avait une belle personnalité. Jusqu'à ce qu'elle perde le concours de Miss Poisson en frites. Elle a été dégoûtée du poisson à jamais. Alors c'est comme ça que Bertha a connu le Whoop. Elle a dû se souvenir que Jerry y travaillait et elle l'a suivi jusqu'au labo expérimental. Oui, ce qui rend la situation encore plus urgente. Je vais vous envoyer le bateau super rapide mis au point par le Whoop immédiatement. Le bateau est équipé de missiles Sonic Boom Boom qui font boom à la vitesse supersonique. Il lance de très puissants jets d'eau pour éloigner vos attaquants. Et il possède l'ultime harpon à filin piégeur pour tout attraper des requins aux méchants. Merci, Jerry. Pas de quoi, mademoiselle. Je vous dis au revoir et bonne chance. Wow. Oh, c'est sûrement ici. Je rêve. C'est la plus géniale des missions qu'on ait fait. Bienvenue au Grand Hôtel de Monte Carlo, mesdemoiselles. Waouh, c'est fantastique. Les copines, cette fois je suis au paradis. Ah, dommage qu'on ne puisse pas en profiter. On est en mission. Peut-être que le sujet de ton devoir pourrait être cette injustice cruelle de devoir travailler pour Jerry plutôt que de profiter de ce palace fabuleux. Regardez, les reines de beauté représentent chacune un pays. Puisqu'on est dans un concours de Miss, le port du diadème me semble tout à fait approprié. On
On doit trouver Bertha et tout de suite. Jerry a dit que c'était très urgent, ce qui veut dire que la situation est grave. Le seul problème, c'est qu'avec autant de rousses dans la compétition et qui se ressemblent tellement, comment on peut être certaine de trouver la vraie Bertha? C'est simple, on va se faire passer pour des participantes au concours. Premier concours de Miss Shadow Planétaire qui sera présenté par moi-même, le très grand Ronald Von Tump, au grand hôtel de Monte Carlo où chaque journée est grandiose. Nous allons commencer par la partie interview de la compétition, réalisée par moi-même, Ronald Von Tump. Que le grand concours commence! Voici notre première charmante concurrente, s'il vous plaît. Dites-nous qui êtes-vous et d'où venez-vous et quelle valeur vous définit le mieux? Je m'appelle Clover, je viens du Whoop Ville. Et quand il est question de valeur, je pense à celle de mes chaussures, je me ruinerai pour de belles chaussures. Je m'appelle Sam et comme j'étudie le journalisme, je dois dire que les valeurs qui comptent le plus sont la vérité, l'intégrité et la lutte contre l'injustice. Merci. J'adore les animaux. Hey, vous voulez voir ma danse du poulet? Vous devriez garder ça pour le grand concours de talent. Ce qui a de la valeur, à mes yeux, c'est tout ce qui me permet d'être la meilleure. Merci, ma chère. C'est très ambitieux de votre part. Ah, vous avez entendu ça? Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour être la meilleure. Et elle a les cheveux roux. Je crois qu'on a trouvé notre méchante cette fois. Un de ses cheveux pour le comparer à celui qu'on a déjà. Je m'en charge. Je pensais en prendre un sur sa brosse, mais ça va aller. Ah, bah pardon. Aucune importance, on n'a qu'à l'analyser tout de suite. Ça correspond. C'est bien Bertha, aucun doute. La nouvelle Bertha? La jeune Bertha? Peu importe quelle Bertha elle est, on doit l'aider avant que le sérum ne fasse des ravages. Oh. Venez! On sait que vous êtes entré au Whoop et que vous avez volé le sérum anti-âge de Jerry. Et même si en général on ne vient jamais en aide aux voleurs, vous allez avoir besoin de nous. Parce que le sérum que vous avez volé est expérimental. Et vous risquez de souffrir d'effets secondaires. Un sérum anti-âge? Mais je ne sais absolument pas de quoi vous me parlez. Oh, allez, on sait très bien à qui on s'adresse. Oui, et vous feriez mieux de faire ce qu'on vous dit avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous n'êtes que des concurrentes jalouses qui essaient de m'empêcher de gagner le concours de Miss Shadow Planétaire. Après tout ce que j'ai fait, il est hors de question que je vous laisse me voler mon titre. On n'est pas des concurrentes, on est des espionnes du Whoop. Et on va vous aider, que vous le vouliez ou non. Rien que pour une fois, j'aimerais qu'un de ces gadgets expérimentaux soit un peu moins expérimental. Si vous voulez bien m'excuser, je vais éblouir le public grâce à mon talent. Elle s'en va. Et elle commence à muter. On doit agir au plus vite. Toutes nos concurrentes ne sont-elles pas grandioses? Pas autant que moi. Ronald Van Tem, bien sûr. Et maintenant, voici la partie talent de la compétition. La première est Miss Danemark. Oh, un tonnerre d'applaudissements. C'est fantastique pour cette pêche carrément miraculeuse. Merci, Miss France. Encore un autre grand talent, bravo. Merci, Miss Australie. Et voici Miss Angleterre qui va faire une démonstration éblouissante de gymnastique rythmique. Oh!
grandiose pour le grand hôtel de Monte Carlo. Vous êtes éliminé de ma compétition. Si je ne peux pas gagner le titre de Miss Ado Planétaire, alors personne d'autre ne le gagnera. Bon, le lancer de toile n'a pas bien fonctionné. Mais en revanche, la toile, elle, elle est bien collante. Ah, trop bien. Comment on va pouvoir se sortir de là? Le diadème. Tu penses à tous tes accessoires même quand tout va mal? Mais pourquoi? Mais pas du tout. Je pense à ce qui compose cet accessoire, les filles. Et ce sont des diamants. Aha. Bravo, t'as été brillante sur ce coup-là. Qu'est-ce que je peux dire à ça? J'ai la beauté, l'intelligence. On dirait que les choses ont empiré pour Bertha. Arrêtons au plus vite Miss Mutante. Cette expérimentation tourne au cauchemar, Jerry. Venez, les filles, on doit l'arrêter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis magnifique. Je suis la seule et unique gagnante. Il faut qu'on fasse quelque chose et le plus vite possible. Oui. Comme quoi ça? Comme se servir de ce que le Whoop met à notre disposition. Alex, reste ici et veille à ce que personne ne soit blessé. Ça marche. Clover, viens avec moi. Bertha. Jerry, je suis désolée d'avoir volé ton sérum. Je voulais gagner encore une fois. Pourras-tu me pardonner, chérie? Désolée, l'époque des concours de beauté est terminée pour toi. Tu vas bientôt retrouver ton aspect normal une fois que le sérum sera éliminé de ton organisme. Tu n'as jamais accepté de perdre le concours de Miss Poisson Frite. J'étais le plus beau poisson. Thank you.
Je suis encore sous le choc de la mission de folie qu'on vient de vivre. Tout ça uniquement pour retrouver sa jeunesse. En parlant de folie, j'ai trouvé un sujet pour mon exposé de journalisme. L'injustice qui consiste à n'ouvrir les concours de beauté qu'aux plus jeunes. C'est une idée fantastique, Sam. Après chacun des cours. Ah oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça a donné à mon cerveau un nouveau souffle de créativité. Et j'ai eu une révélation. Je viens de créer ce qui va devenir le plus génial des accessoires de mode du siècle. Oh ? Les clovers d'oreilles. Une pure merveille. Yeah ! Wow, elles ont l'air géniales, mais je croyais que la règle d'or de la mode, c'est que ce soit pas dangereux à porter. Dangereux ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous voyez, c'est pour ça que c'est si fantastique de parler de stylisme toutes les trois. Ça nous permet de critiquer nos projets. Comme ce jean que tu as dessiné, Sam. Quoi? Tu l'aimes pas? Non, je l'adore. Il est très stylé, mais il a tellement de poches secrètes que c'est un peu comme avouer: coucou, je suis une espionne en jean d'espionne. Je crois que je vais aller trouver un miroir pour démêler ce que j'ai sur la tête. Interdiction d'entrer, mademoiselle. Je vous signale que ce sont des toilettes privées. Je vous demanderai donc d'aller voir ailleurs. Privées? Mais depuis quand? Oui. Et pourquoi votre visage m'est si familier? Mais c'est logique, les bécasses. C'est Duke Gatlin. Il est super célèbre pour avoir joué un garde du corps dans des dizaines de films. Et aujourd'hui, comme je suis devenue célèbre, c'est mon garde du corps. Génial, tu es populaire. Merci, on est au courant, t'as dû nous le dire au moins 100 fois. Maintenant, si ton super garde du corps veut bien arrêter de jouer les gros bras tyranniques, j'aimerais entrer pour me refaire une beauté. C'est pas croyable! J'aurais jamais dû m'attendre à ce que vous puissiez comprendre la pression de la célébrité! Chaque fois que je pense que Mandy ne peut pas être pire, elle arrive encore à me surprendre! Bonjour, mademoiselle. J'espère que je n'ai pas interrompu quelque chose d'important. Franchement, Jerry, ça vous a jamais dérangé de faire ça? Certes, c'est exact, mais il convient de poser la question de temps en temps. Jerry, vous avez encore mangé un sandwich à la sardine pour le déjeuner? Je voulais que ce soit une surprise, mais Groin-Groin ne maîtrise toujours pas l'art de la discrétion. T'es enfin revenu avec moi! Mon rêve s'est réalisé, c'est fou! Voilà un délicieux moment d'émotion à immortaliser dans la bonne du Whoop. Dis-moi que je t'ai manqué. Oh oui, t'avais pas assez de boue pour t'amuser, tu veux que je polisse tes sabots? Alex aime vraiment ce cochon. Les filles, Groin-Groin vous a pas manqué, faites-lui un câlin. Alex! Stop! Groin-Groin va venir vivre avec nous, d'accord? Personne d'autre peut lui offrir une meilleure maison que nous trois. Oh,
Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, Alex. Il n'aimera sûrement pas notre appart. Il n'y a pas assez de boue. Mais il peut nous trouver des truffes. Il est plus propre qu'un chien et si chou. Je crois que nous avons un problème. Jetons un œil. Le Whoop a reçu des rapports concernant un être menaçant aperçu sur les plages de Hawaï. Je ne dirai jamais non à un petit voyage à Hawaï. Pas vrai, les copines? Je suis d'accord. Ah oui, présente et prête à espionner. Partons ensemble pour l'Alaska. Hawaï. C'est ce que je disais. Voilà vos gadgets pour la mission. Le bracelet métalloglaçant qui produit une énergie en dessous de zéro qui peut briser le métal. Le parabolo protecteur-oreille qui permet d'entendre les fréquences jusqu'à 100 000 Hz. Ce gadget ne semble pas très approprié pour ces journées à Hawaï. Mais en voilà un qui le sera. Les lunettes capto-solaires. Une paire de lunettes de soleil qui emmagasine l'énergie solaire et peut déclencher un rayon de chaleur destructeur une fois chargé. J'espère qu'elles ont un étui pare-feu. Mais c'est évident. Et enfin, les espadrilles Bang Bang, quand vous aurez besoin de mieux bondir sur le sable. Oh, j'allais oublier. Vos comme poudriers main libre auto-portée. Wow! Bonne chance, les Spice. Je prendrai ce coin de groin-groin jusqu'à votre retour. J'adore ça. N'oublie pas qu'on n'est pas en vacances, Clover, aussi tentant que ça puisse être. On est là pour trouver des indices. Hé hey! Oh, ouais. Clover, Alex, venez voir ça. Il y a des traces. Il doit s'agir de quelque chose de lourd et ces traces ne correspondent pas du tout au véhicule de plage. Je crois qu'on a affaire à une sorte de robot. Mais qu'est-ce qu'un robot viendrait faire à Hawaï? Ah! Hein? Ah ben je crois qu'on a trouvé notre robot, il a pas l'air là pour faire bronzette. Ça suffit, monsieur robot, arrêtez-vous tout de suite. Vous ne m'intéressez absolument pas. Alors allez-vous-en, mesdemoiselles. Ou c'est moi qui vous ferai partir. Vous savez que je suis en train de rater une super danse avec une magnifique musique au ukulélé à cause de vous. Vous avez de la chance. Je dois partir. Qu'est-ce qui vous prend? Laissez-moi sortir! Cette fois, on sait ce qu'il venait faire. Kidnapper ce garçon. Et maintenant, il s'enfuit. Ça, c'est ce qu'il croit. Ding ding, c'est l'heure du deuxième round. On doit faire vite ou on va le perdre. Les espadrilles bang bang. On lâche les roues et on se met en formation d'attaque. C'est ça, venez le chercher. C'est tout ce que vous savez faire? Hein? On n'abandonne jamais et on ne se rend jamais. À l'attaque, les filles! Bon ben, j'ai réussi à lui enlever une pièce. Non, non, vous ne m'aurez pas. Voici un grand classique du manuel de la terreur des cours de récré. Manger du sable. Il faut que je parte. J'espère que les lunettes capto-solaires sont bien chargées. Mais c'est pas un robot normal, c'est une terreur des bacs à sable version androïde géant. On va donner ça à Jerry et au super cerveau du Whoop afin qu'il puisse l'analyser. Mmh.
bagarrer contre ce robot en métal, c'était du sport. Mais heureusement, j'ai plus court. Je vais pouvoir aller me détendre à la maison. Oh, regardez cet amour. Quel fidèle petit cochon. Je t'adore, Coin-Croin. T'es trop mignon. Oh, il faut que je prenne une photo. Le professeur Coin-Croin visite le campus. Voilà. Pas de photo, pas de paparazzi. C'est à vous que je parle, Minus. Excellent travail, Duke. Mais soyez un peu plus insultant la prochaine fois. Minus, c'est beaucoup trop faible, à peine désagréable, n'est-ce pas, Alex? Oui, tout va bien jusqu'à la cafétéria. Bien, même la file des cappuccinos. Au revoir. Laisse tomber cette bécasse. Elle est encore plus désagréable depuis qu'elle a son garde du corps. T'as raison, Clover. Je dois aller en cours. Tu peux déposer Groin-Groin à la maison? D'accord, je vais le faire, mais il n'a pas intérêt à aller renifler mes produits de beauté. Mandy, enfin te voilà. Tu es la dernière que je cherchais. Ah, mais bien sûr que vous me cherchiez. Tout le monde veut être ami avec Mandy, même les gros nuls qui font mumus dans la cour de récré. Mais je n'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises. J'ai rendez-vous avec une pédicure extrêmement renommée. Duke! Écoutez, mon gros, rien ni personne ne doit entrer dans l'espace personnel de Mandy sans avoir son autorisation, compris? Voyez-vous, j'aimerais bien refaire cette scène. J'ai pas vraiment aimé la façon dont je l'ai jouée. Eh ben, moi non plus! C'était mon garde du corps exclusif et super célèbre, c'est une honte! J'espère qu'il n'aura pas une seule égratignure! J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui hurle. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Une seconde. On dirait la voix de Mandy. Et elle a de gros ennuis. Mais pourquoi il faut que ce soit Mandy? Alex, Sam, on a un problème. C'est sur le campus, je vous envoie les coordonnées. Elle était ici, c'est ce que mes protectoreilles m'ont dit. Regardez, c'est son sac fétiche. Elle n'irait nulle part sans lui. Oui, mais il n'y a personne qui ait vu quoi que ce soit. Un témoin, ce serait utile. On a le témoin dont on a besoin, croyez-moi. Le plus mignon des membres de notre équipe d'espions. Coin-Croin. Oh, c'est vrai? Mais c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai aucune idée. Alex, Clover, venez par ici. J'ai trouvé quelque chose. Ce sont les mêmes traces que sur la plage de Hawaï. Le robot géant était là. Et il aurait enlevé Mandy? Mais pourquoi? Bon après-midi, mesdemoiselles. Jerry, le robot était ici et il a enlevé Mandy. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai reçu l'analyse sur le fragment de robot que vous m'avez envoyé. Il a été construit à partir de pièces de manège du parc d'attractions de Frissonville, qui se situe près du mont Fujiyama, au Japon. Ouh, barbapapa! Merci, Jerry. On dirait que notre prochaine étape, c'est le Japon. Tout à fait. Bonne chance, les Spies. J'ai l'impression que ça fait un bout de temps que ce parc n'a pas eu de visiteurs. Oui, c'est abandonné depuis des années. Non! Oh. Mais où sont passés les... Les barbapapa m'ont tellement manqué. Dites-moi que je suis pas la seule à trouver ça bizarre, n'est-ce pas les copines? Je crois qu'il a camouflé ses traces. Il peut être n'importe où. Il y a plusieurs façons de repérer un robot. J'entends quelque chose. Je crois que ça doit être Mandy et le garçon kidnappé sur la plage. C'est par là. On dirait que ça vient d'ici. C'est bien le garçon de la plage, mais je me demande qui est l'autre. Et ce que Mandy vient faire dans tout ça? Qui est là? J'ai localisé la cliente. Sécurisez le périmètre, je m'occupe des méchants. Mais à qui vous parlez? À personne, plutôt convaincant, non? Ça fera regretter à l'académie de ne pas avoir reconnu mon talent dans la catégorie des meilleurs gardes du corps. Mais d'abord, je dois m'occuper de vous, les kidnappeuses. Qui, nous? Mais on n'a jamais... À nous, les Spies. Et cette fois, soyons à la hauteur.
poudriez main libre. Vous m'entendez? Parfaitement, Sam. T'es pas obligée de crier. Les copines, Clover a dit sortons de nos placards et apprenons les bonnes manières à ce robot. Ou alors, vous pourriez rester tranquillement ici pendant que je mets un point final à ma vengeance. Vengeance? Mais un robot ne peut pas avoir ce genre de motivation malveillante. Ce qui veut dire que... Dites-nous qui vous êtes. Mon nom est Timmy. Timmy? Le grand méchant robot terrifiant s'appelle Timmy? C'est pas un robot! Oui, c'est exact. Je ne suis pas un robot, mais plutôt un homme dans un corps de robot que j'ai construit pour me venger de ces affreuses brutes. Hein? Je travaillais dans ce parc il y a des années pendant l'été. C'était superbe à cette époque. Je préparais de délicieux jus glacés aux myrtilles et des sorbets aux fruits frais. Chaque seconde de ce travail m'enchantait jusqu'à ce que ces crétins débarquent et gâchent tout. Aujourd'hui, je ne peux même plus voir un sorbet sans ressentir à quel point j'étais gravement humilié. Mais elle, ça a été la plus méchante et la pire des trois. Regardez ces images et ce qu'elle a fait quand ces brutes sont parties. Pas si grave. De toute manière, il y a prescription. C'était il y a très longtemps. Au fait, c'est quoi cette tenue ridicule? Écoutez-moi bien. C'est Nabo et toi. Vous étiez ici en voyage scolaire cet été-là. Et vous avez été odieux avec moi tous les jours. Oh, c'est terrible. Excuse-moi, Mandy. T'as toujours été comme ça? Une vraie Mandy? Timmy, on comprend pourquoi tu te sens comme ça, hein? Mais jouer le robot vengeur, c'est pas une solution, hein? C'est faux! C'est la seule et unique solution! Le moment est venu de s'amuser maintenant! Que le train de la terreur entre en action! Oh, le train de la terreur, oh, ça me dit rien de bon ce truc-là! Ugh!
faut sortir tout le monde d'ici avant que Frissonville s'effondre sur nous. Toi aussi, Timmy Robot. Où étiez-vous passé? Vous êtes vraiment trop nul comme garde du corps. Je démissionne. Je vais retourner faire semblant d'être un garde du corps dans les films. C'est beaucoup plus reposant. Vous ne pouvez pas démissionner. Vous êtes viré. Revenez tout de suite ici que je puisse vous virer. Bon travail, les Spies, et pas d'inquiétude. Je ramène tout le monde au quartier général et j'effacerai ces souvenirs de leur mémoire. Vous n'avez pas un moyen pour empêcher ces garçons d'être des brutes? Et pendant que vous y êtes, si vous pouviez faire oublier à Mandy d'être Mandy. Je suis navré, mademoiselle. Ça ne fonctionne pas de cette façon. À bientôt! Oh, de la barbe à papa! Pourquoi tu ne me laisses pas te conduire, Mandy? Je suis pas d'humeur pour ça aujourd'hui. Merci, mais c'est non. Et je sais pas pourquoi. Ah! Ah! Non, mais je rêve! C'est un cochon qui bloque l'entrée! Non! Ah, c'est comme ça, Mandy. Groin Groin est notre nouveau garde du corps. Grand luxe. Ou un ballon de foot numérique. Ou tu fais créer un parfum pour eux. Oh, ou un panier pour chien hyper stylé avec deux niveaux. Oh, c'est gentil de votre part de vous creuser autant la tête. Mais il n'y a pas plus difficile au monde que de trouver ce qui pourrait faire plaisir à mes parents. Ils ont déjà tout ce dont on peut rêver, vous pouvez pas imaginer. Et leur 20e anniversaire de mariage, c'est demain. Non, il n'y a pas de solution. Oh, t'inquiète pas, Sam, à nous trois, on va trouver. Oh, ça leur plairait pas, un robot manucure-pédicure? Problème résolu. D'abord, c'est pratique d'avoir ça chez soi, et en plus, c'est un cadeau vraiment original. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est exactement ce que je leur ai offert l'année dernière. Ouah, eh ben, bonjour la discrétion. Regardez, une limousine extra longue. Peut-être que c'est une célébrité qui a besoin de renouveler sa garde-robe de toute urgence. Oh, ça m'étonnerait. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Sam a raison. Ça n'a rien à voir avec le shopping. Ça annonce plutôt un whooping. Ah, Jerry, est-ce que vous êtes là? Bonjour les Spice, je suis enchanté de vous revoir. J'aimerais pouvoir dire moi aussi, mais vous nous interrompez dans la recherche du cadeau rêvé pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Vous m'envoyez désolé, cependant je vous assure que ce qui m'amène ici est d'une importance capitale. Plusieurs mariages prestigieux ont été célébrés récemment à travers le monde. Ils ont fait l'objet d'attaques par des forces inconnues. Qu'est-ce que vous entendez par attaque, Jerry? Bah, voyez par vous-même. Voici les images d'une cérémonie nuptiale qui a eu lieu hier en Italie. J'y crois. Waouh, c'est la vidéo du mariage de Kim Starsmachian. Kim Starsmachian? Mais qui c'est? Oh, vous la connaissez pas?
planète. Et elle est trop jolie. Cela dit, c'est pas surprenant, elle se nettoie le visage avec de la poudre de diamant. À propos de diamant, vous avez vu la bague qu'elle a au doigt? Cette pierre vient de la Lune. Si vous voulez tout savoir, c'est là-bas qu'elle a rencontré l'astronaute qu'elle a épousé. Oh, quel beau couple ils font tous les deux. Oula, la splendide cérémonie a dégénéré. C'est horrible, d'après ce qu'on voit là, ce mariage de rêve a tourné au cauchemar. C'est exact. Et le Whoop ignore les causes de cette perturbation. On n'a aucune piste. J'avoue que c'est un mystère absolu. Ce qui me semble bien plus mystérieux, c'est la raison pour laquelle Kim porte une robe de mariée aussi étrange. Enfin, la mode, c'est mon truc, ça me connaît. Et je peux vous assurer que ça, là, c'est du jamais vu. Ça ne correspond à aucun style. Observation très intéressante, merci Clover. Merci. Le registre d'expédition mentionne la provenance de cette robe, Paris. Mais le nom de l'expéditeur n'est pas précisé. Qu'en est-il à propos des robes portées par les autres mariés, Jerry? Elles proviennent toutes de la même maison de couture. Eh bien voilà un premier indice, les Spice. Vous partez en France pour enquêter sur cette affaire. J'adore la France! Alors allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Whoopez-nous tout de suite! Je crois que vous oubliez un détail, et un détail non négligeable. Vos gadgets! Ah, oh, trop cool! Vous disposerez des bottes à talons perforants, des lentilles de contact à rayons X infrarouges, de la pince à épiler cisaille. Et de notre nouveauté, la machine à bulles Esquive Express. Merci, Jerry! Oh, mais de rien, Alex! Vous trouverez aussi sur place un Whoop à 3 qui vous permettra de vous rendre à destination. Un Whoop à quoi? À 3. Au revoir, mesdemoiselles, et bonne chance. Tu veux pas organiser un truc romantique pour l'anniversaire de tes parents? Comme faire apparaître leur visage sur la tour Eiffel le soir pendant les illuminations? Ou faire peindre leur portrait façon 17e siècle et le faire accrocher au Louvre? Merci les copines, mais j'ai déjà fait ça il y a 2 ans. Ça descend! Oh, désolée, Sam, mais le lèche-vitrine devra attendre. On est tout près de la maison de couture. Bon, on s'occupe de cette mission, on abandonne ce Whoop à 3 parce qu'il me donne le mal de transport! Voilà, on y est. C'est bien de là qu'ont été expédiées toutes les robes de mariée. On se donne tous mal et il n'y a même pas un portier pour nous accueillir. Mais nous, on est les Spice. Que la porte nous soit grande ouverte ou pas, on entre. Oui, à défaut de personnel accueillant, on a les bottes à talons perforants. Bon travail, Alex. C'est pas pour critiquer, mais on est loin de l'ambiance raffinée des boutiques parisiennes. T'as raison, ici c'est plutôt ambiance poussière et détritus. Pourtant, c'est là. Il y a sûrement quelque chose à trouver. Les lentilles de contact à rayons X infrarouges vont nous aider à y voir plus clair. Oh, waouh! Ah, je vois. Qu'est-ce qu'il y a, Clover? Une pièce secrète, derrière ce mur. Il y aurait un bouton secret pour y accéder? Va savoir quand on sait pas. Il y en a toujours un dans ce genre de repère. Les méchants sont si prévisibles. Oh, oups! Bah, ça, c'était plutôt inattendu. Il y a des fois où je m'étonne. Waouh! Ah! Bizarre de tomber sur un super atelier de création dissimulé dans un vieux hangar. Et bizarre aussi ce genre de modèle. Depuis quand les robes de mariée sont-elles high-tech? Voilà pourquoi celle de Kimstar Smashian m'a paru si étrange sur la vidéo. Les Spice, regardez ça. C'est la liste de toutes les robes de mariée avec le nom de celles qui les ont commandées. Oh, alors ça c'est super, bravo. Pourquoi est-ce que c'est super juste? Parce que si on sait où la prochaine robe va être expédiée, on peut attendre le malfaiteur au tournant, boucler la mission et s'occuper du cadeau de mes parents. Oh non! Il est écrit là que la dernière robe a déjà été envoyée au palais royal d'Angleterre. Pour le mariage princier? Il faut immédiatement en informer Jerry. Oh, il semblerait qu'on ait déclenché l'alarme. Il vaut mieux filer d'ici. Oh, ça vous rappelle rien? On dirait le bruit qu'on entend en cours de mode du professeur Plunkett. Oui, ça ressemble au bruit d'une... Une machine à coudre! Attention! Ah! Oh là là, on doit être vigilante pour pas se faire épingler. Et si on veut pas ressembler à des hérissons, on a intérêt à fuir le plus vite possible. On a d'autres ressources. Je vais lui donner une bonne leçon à cette machine puisqu'elle veut en découdre avec nous. Bravo au tapis.
bien joué, Sam. J'espère que t'es aussi forte au lasso face à une centrale vapeur en colère. Ah, c'est dingue, un endroit pareil. Tout ici est programmé pour attaquer. Mais ça va pas? C'est quoi ça? L'attaquant trop qui nous pousse vers la sortie. Suivez-moi. Ce matériel. Oui, mais il aura été utile ce jet de vapeur. Maintenant, il n'y a plus l'ombre d'un pli sur ma combi. Alors, les Spice, comment se passe cette mission? Ça commence plutôt mal. On vient de se faire attaquer par une machine à coudre très méchante. Mince alors. Mais on a du nouveau. On pense connaître la prochaine cible de l'agresseur et ce n'est rien d'autre que le palais royal d'Angleterre. Oh, misère. Le grand mariage princier doit avoir lieu demain. Vous devez infiltrer discrètement cette cérémonie de haut rang. Oui! Jerry, vous êtes génial! C'est l'occasion rêvée pour rencontrer un prince charmant! Et bien sûr de démasquer un saboteur de mariage, n'est-ce pas? Parfait donc! J'ajouterai vos noms à la liste des invités. Soyez vigilantes, mesdemoiselles. La Grande-Bretagne est infiniment chère à mon cœur. Bon voyage! On part en Angleterre! Et on sera sur la liste des invités! Peut-être que là-bas, on trouvera un cadeau pour mes parents! Réunion au sommet. Il faut qu'on se trouve des tenues royales pour ce mariage. En nous voyant, il faut que tout ce beau monde soit sous le choc. Faites-moi confiance, je vous prépare une cérémonie choc. C'est la même famille. C'est extraordinaire d'être là. Non mais regardez tous ces beaux garçons. Je me demande lesquels sont des princes. Ils sont pas supposés porter une couronne pour qu'on les distingue. Avec un peu de chance, les mariés me donneront un de leurs cadeaux. S'ils en ont en double, les gens offrent souvent la même chose. Je sais pas trop, Sam. Pour l'instant, il faut essayer de repérer notre malfaiteur. En se séparant, on augmentera nos chances. Bonne idée. Moi, je vais par là. On se parle par les boucles d'oreilles microcom. Bonjour, jeune fille. Vous êtes du côté de la mariée ou du marié? Les deux. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Oh. Ce gâteau est trop tentant, j'en meurs d'envie. Oh, mais personne ne le saura si j'en goûte juste une lichette. Trop bon. Oh, c'est un serveur. Bon, eh ben, qu'il m'apporte le prince charmant sur un plateau d'argent alors. Je vois rien de spécial. Et vous, c'est comment de votre côté? Pareil. Moi non plus, rien à signaler. Marié, donc le prince ne devrait pas tarder à arriver, lui aussi. Regardez, c'est la robe truquée qu'on a vue dans l'atelier de couture clandestin à Paris. Oui, Clover a raison. Je vais la scanner avec les lentilles de contact à rayon X infrarouge. Ne bouge pas, on arrive. Oh, qu'est-ce que je ferais pas pour le Whoop? Oh là là! Des armes? Cette robe a été clairement fabriquée pour faire de terribles dégâts. Hé! Qui est-ce qui m'agrippe comme ça? Attention, ma robe! Vous, j'ignore ce que vous manigancez toutes les trois, mais la porte, c'est au bout de l'allée. Je suis sur la liste des invités et je n'aurai plus jamais l'occasion d'assister à un mariage princier. Je peux pas rater ça! Faites-vous une raison, parce que c'est ce qui va se passer. Pour vous, la fête est finie, mesdemoiselles. Écoutez-nous, c'est important. Il se peut que la mariée soit en grand danger. Laissez-nous sortir tout de suite de cette fourgonnette. J'espère que c'est du synthétique et pas du poil d'ours, votre chapeau. Non, sans blague, j'y crois pas. De quoi tu veux parler, Clover?
Oh, faut être plus attentif pendant les cours de stylisme, Sam. C'est Vera Van, la plus célébrissime créatrice de robes de mariée. Excuse me, Miss Vera, pourquoi vous êtes habillée en garde royale? C'est parce que le style militaire revient à la mode, c'est ça? Non, la raison est tout autre. Mais disons que je suis là pour semer le chaos et assister au spectacle. Une petite seconde, j'ai une question. C'est vous qui avez fait transformer ces robes de mariée en arsenal d'attaque? Vous avez deviné. Mais pourquoi faire quelque chose d'aussi méchant? Parce que je ne supporte plus qu'on n'apprécie pas mon travail à sa juste valeur. Passé le jour du mariage, ces dames jettent mes créations au fond d'un placard et ne daignent plus les porter. J'ai donc fait en sorte que mes robes monopolisent leur attention, de façon à ce qu'elles ne puissent jamais les oublier. D'accord, j'ai compris que vous étiez vexée, amère, agressive et malveillante, tout ça. Mais pourquoi faire des robes à cerceau? C'est démodé, la jupe gonflante. Parfois, un peu de sobriété ne fait pas de mal, vous savez. C'est pas facile de préserver l'esthétique d'une robe en y cachant de l'artillerie high-tech. C'est du grand art. Ne vous obstinez pas, Vera. Il est encore temps d'empêcher cette folie. Bon, libérez-nous maintenant. Non, et dites-vous que ça ne fait que commencer, jeune fille. Il va falloir que je vous laisse. J'ai un mariage à saboter de toute urgence. Il faut vite qu'on retourne au mariage. Mes très chers amis, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour... expérimenter la performance de ma dernière création. J'avais demandé à ce que ma robe de mariée soit particulière, mais à ce point... Soyez sans crainte, c'est seulement un léger incident technique passager, tout va très bien. Vous entendez? Vera a visiblement ouvert les hostilités. Oui, ce mariage royal est en train de tourner au désastre intégral. Charlie, aidez-moi. Oui, ma chère, je vais immédiatement chercher du secours. Quel poule mouillé, celui-là. Je raye définitivement les princes de ma liste de petits copains idéal. Alors comme ça, ces petites pestes ont trouvé le moyen de se libérer. En tout cas, elles n'échapperont pas à ma robe destructrice. Ça, c'est mon sabotage de mariage le plus réussi et de loin. Attention, robe de mariage folle de rage droit devant. Oh, t'inquiète, le problème va être réglé grâce à la machine à bulles Esquive Express. Oh, vous êtes d'humeur joueuse, jeune fille. Moi aussi, mais mon jeu préféré reste le football. Allons-y. Oh là là, m'en parle pas. Ça m'a beaucoup plus retourné l'estomac que le Whoop à trois. Mais dépêchez-vous, il n'y a plus une seconde à perdre si on veut sauver la mariée. Je pense que pour mettre cette robe hors service, le gâteau pourrait nous aider. Mariage est ruiné, j'exige qu'on me rembourse cette robe. Oui. On a réussi. Voilà comment on se débarrasse d'une robe de mauvais goût.
La partie n'est pas terminée. Ah, désolée, mesdemoiselles, mais personne ne sabote mon sabotage de mariage. Vous croyez pouvoir rivaliser avec moi et mes créations d'avant-garde? Changer de tactique parce qu'aucun accessoire n'a jamais pris le dessus sur moi. Et aucun méchant n'a pu prendre le dessus sur moi non plus. Ouais, moi c'est pareil qu'elle. Les choses évoluent, il faudra bien vous y résigner. Non mais dis donc, vous vous croyez où? Que cette comédie a assez duré. On synchronise nos actions et on la neutralise, Alex. Avec plaisir. Attention, prête. Ah, il y a un caillou. Oh, oh non. C'est gagné. Je crois que j'ai perdu 2 cm de taille grâce à ce lasso. Excellent travail, les Spice. Mes agents vont prendre le relais désormais. Ils vont emmener Farrah-Fan au pénitencier du Whoop, car c'est là qu'est sa place. Merci, Jerry. J'aimerais discuter davantage avec vous du succès que vous venez de remporter. Mais étant invité à la réception donnée pour le mariage, je dois y être avant la fin. Vous comprenez? L'Angleterre compte sur moi. Je m'en voudrais de lui faire faux bond. Yeah! Wow, quelle vision! C'est pas tous les jours qu'on voit Jerry comme ça. Oui, et tant mieux d'ailleurs. Parce que le chapeau haute forme, c'est pas exactement ce qu'il met en valeur. J'ai trouvé! Vite, il me faut un emballage pour que ce cadeau puisse parvenir à mes parents le jour de leur 20e anniversaire de mariage. Oh, c'était aujourd'hui et là c'est déjà presque demain. Il n'y a plus aucune chance qu'il l'ait dans les délais. Comment le temps est-il passé si vite sans que je m'en aperçois? C'est parce que comme d'habitude on était occupé à sauter d'un continent à l'autre pour traquer les méchants et sauver le monde. Ce cadeau était trop moche de toute façon. Quand je pense que je voulais leur offrir quelque chose d'unique. Allô? Sam! Je ne te réveille pas au moins, c'est nous ma chérie. Tiens maman, tiens papa. Bon anniversaire. Oh écoutez, je suis vraiment désolée. Nous tenons absolument à te remercier pour ce merveilleux cadeau d'anniversaire. Oh, c'était vraiment fabuleux ton idée. Tu nous offres une chose unique. Avec cette visite de Londres sur un vélo amphibie. Attends, tu as dit une visite de Londres à vélo? Quelle attention touchante, tu es adorable avec nous. Bon, eh ben, je vais devoir raccrocher hein, maintenant. Merci encore et à très bientôt. Bisous, bisous. Oh, ça c'est incroyable. Je me demande qui a pu leur offrir ça. Considérez Sam que c'est à titre de remerciement pour cette mission réussie, signée Jerry. Ah, trop gentil, on dirait que Jerry t'a sauvé la mise cette fois. Oui, j'apprécie, mais il est hors de question que je stresse autant l'an prochain. Alors je commence dès maintenant à chercher une bonne idée pour leur 21e anniversaire. Je prends les devants. Oui, prends-les.